Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue sur le live. Oh merde, j'ai fermé le truc, fallait pas que je le ferme. Faut que je le rouvre. Hop là. Et bienvenue sur ce live. On joue. Je sais même pas s'il est à jour le live. Parce que le titre il est à jour. Et il a l'air à jour. J'espère que vous êtes bien, qu'on m'entend bien, que tout va bien. On va mettre le son du jeu, bien sûr. Hop là. Et moi j'espère que vous allez tous bien. On va aller rejoindre les autres. Donc aujourd'hui on poursuit la game contre l'Axe. En tant que pays d'Afrique du Sud. Je vais demander l'accès à la protection de l'Afrique du Nord histoire de pouvoir m'en sortir. Parce que bah, il faut bien que je défende l'Afrique. Donc on va. Puis comme ça me permettra de la développer, de prendre plus de chrome pour qu'ils commercent plus avec moi. Enfin, vous connaissez les méta. On va aller rejoindre les autres. Veux jouer à ça? Ouais. Et tu fais comment si mes forces navales veulent pas réapprovisionner tes troupes? T'inquiète, on a la Mandchourie, c'est un mignon, il a des barques, on va se saisir là-bas. Il joue RP, il y en a qui jouent naval et un qui joue terrestre. On va sortir des jonques en gros. Puis on fera un pont chinois, non mais et, par contre, moi je le dis, hein, une mise à jour du Japon avec le système de balance des pouvoirs comme avec l'Italie. Entre la marine ouais, et la ouais, dit, entre la marine et l'armée ouais, de terre, ce serait incroyable. Il faudrait la même chose avec les SS et la RAE. Et par contre, on en parle de l'italien qui, sans compter le bug du jet, qui l'italien peut avoir deux focus pour avoir des jets techniquement, sans faire des modules jet, en ouais. 43, 42, parce non, qu'il en a. 40, en 40, en 40, tu ouais, peux, ouais, tu en peux 40, rien faire avant ça. Hein. Okay, t'as aucune condition pour accéder au truc. Oui, non, que non, tu je rushes parle les pas, je parle pas de ce focus-là. Je parle juste du fait d'avoir des bonus. Pour avoir sur les moteurs. Ensuite, t'as les deux premiers moteurs, tu peux les avoir. Ensuite, t'as un moins. Bon, on s'en fout de ce qu'il raconte. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire. Alors, évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui ont changé. Bon, ça, c'est pas parce qu'il y a les rages protectoriens. C'est ça, hein. Rage commissariat. Bon, c'est protectorat, quoi. Donc aujourd'hui, on est en quelle année? 41. Ouh, mais ça annonce Barbarossa. Bah, cette game-là, il y a Barbarossa. Et fin 41, normalement, on a aussi l'opération Pearl Harbor. On va voir si le japonais s'en sortira. Peut-être pas, personne ne sait. On verra bien. Tiens, on a un état français. Oui, bah oui, personne ne joue sur l'état français. Je me posais encore sur la carte des joueurs. Donc évidemment, hein, avec l'Axe, Ganox, évidemment, Darfish. Je vous invite à les regarder. Enfin, ce qui reste à voir, hein. Après il a fait des choses contestables, mais bon, comme c'est une partie historique, il aime ça. Donc, il va falloir modifier un petit peu les tanks, parce que j'ai regardé avec d'autres gens et mes tanks manquent de fiabilité, donc je risque de les perdre en cours de route et ça serait quand même dommage. Surtout le prix que ça me coûte. Je perds pas de temps à les modifier. Hein. C'est globalement 2-3 trucs que je modifie. Et demander évidemment le Sud-Afrique. On va bien voir ce que l'anglais décrète. Une dizaine de minutes il reste. On lance les lives un peu tôt, mais pourquoi pas. Je vais aller. On va le retourner en ce qu'il raconte. Il pas là, là. Bon, et il est dans le channel en tout y a cas. Quelqu'un qui vient de rejoindre. Qui non, est-ce? non, c'est ça, m'en fous, vous inquiétez pas. Ouais, ça m'en fout, c'est déjà l'Afrique du Sud. Bah du coup, Tekidas, pardon, quand t'as bah, vu qu'il n'a pas d'allemand, je pense que tu seras plus utile en COP sur l'Allemagne que sur la Bulgarie. Donc on va lancer comme ça, je pense. Sinon tu joues un Rage Protectoria. Ouais. De Belgique, ça me semble bien. Ouais. Ouais, mais enfin... Enfin, comment dire non, pardon, de Norvège. De Norvège. En vrai, si tu veux, tu peux jouer. En plus, les Pays-Bas. Non, Pays-Bas, ça. Ah oui. Oh. Ouais, il y a les valises des autres Pays-Bas. Attends, mais d'ailleurs, Magnès, faudrait que je te parle après, mais. Oui, je suis en train déjà de regarder toutes les questions que je vais te poser par rapport à la game précédente. Oh, il y a des trucs oh, oui, voilà, oui, déjà. Ouais, on n'a toujours pas l'ensemble, on ne sait pas si ça va crash. Hein. Après, ça risque de bah, il manque Alpha, mais qui sera là. Hein? Sont les radars? Mais j'en ai fait, hein. Ok.
Ça fait déjà 5 minutes qu'on la tag, Alpha. Bon, il a pas l'air d'être là. Je zoome sur le pays là pour voir. J'ai compris, ils sont où les radins sur le coup? J'ai un peu bugué. Bah, c'est toi, non? Non, non, je suis Pigeonus Maximus. Moi, j'ai acheté tous les DLC et si je peux les préco, je les précommande. Ah oui, moi aussi j'ai fait ça, ça m'a permis d'avoir la petite belle. Genre, même Victoria 3, hein, j'ai préco l'édition spéciale. Hein. Je suis Pigeonus. Oh putain, je vais attaquer le Soviet, moi, je vais attaquer le Soviet, c'est pas possible. Pourquoi tu vas attaquer le Soviet? C'est pas Pigeonus tant que t'as pas préco Imperator. J'ai préco Imperator. Oh là 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 là. Le seul truc qui fait que je le regrette pas, c'est le skin pour l'empereur byzantin. Mais t'as pas envie de jeter ton argent par les fenêtres, ce serait peut-être plus simple en fait. Il y a un empire byzantin dans Imperator? Non, c'est celui de U4. Ah, ok. Quoi? Oui, parce que ça fait que tu débloques un. Ils te feraient un skin pour U4. Tu vois, ils avaient tellement confiance dans leur jeu qu'ils se sont dit ils vont offrir des trucs, des goodies sur les autres jeux. La Hongrie, c'est pas contre toi, mais ton pire, son arrière. Hein. Ouais, ça fait déjà deux fois qu'on lui fait la remarque, le pauvre. Ouais, vas-y, hein, la tête de canard, on va pas non plus. Une noix à l'envers. Ouais, il y a plein de pays qui ressemblent à rien. Oh putain, j'avoue. C'est un signe à l'envers. Ouais, c'est un signe qui s'est noyé en fait. Mais gaffe ma nièce, hein, ce que tu me dis. Mais non, vous avez pas vu, vous comprenez pas, c'est l'Italie qui pince la Hongrie. Oui. C'est l'Italie qui pince la Hongrie. C'est lui. Oui, bah regardez, hein, c'est la pince hongroise qui pince. Attends, le pied italien. Il y avait pas un film qui voyait des sgeg partout, il est parti où lui? Quoi? Il aurait vu tout de suite un sgeg lui. C'est un sacré prépuce ça quand même. Non, mais attends, mais comment l'Italie elle a fait pour choper les baléares? L'Italie a un focus il maintenant pour faire ses valeurs. Non, il avait déjà. Ce focus existait déjà. Mais c'est Histo ça? Ouais, c'est pas Histo. C'est pas Histo, c'est vrai. Après, c'est le Balier, on s'en balaye. Ah, c'est Game Changer. Ah non, c'est pas Balek du tout! Ouais, faut les rendre un peu plus quand même. Important, j'aurais dû lire finale à l'Espagne. Enfin bon, on s'en fiche. C'est un peu comme la ligne de 4-10 sur la main. Ah, mais ça, c'est Histo. Voyons. Ah non. Fordy, ça il est à la main, peut-être pas. Je me rappelle pas. Tout le monde est prêt? On est prêt. Je sais pas si on peut dire que c'est faux, hein. Les Allemands l'ont jamais passé. Bah. Allez. Non, mais t'avais pas des Fordy, ça il est à la main. Tiens, le... pas de... ouais, vas-y. Sympathique cette ligne Maginot du désert. Alors, est-ce que tout le monde a switch? Non. Moi, je sais pas qui reste dans ce channel, mais là, je. J'attends que c'est fini de charger. On me sente calme ici donc. Mais moi je suis les gars très calme. On les a. Attends, je crois qu'il y a mon cop qui vient. Ah, on reste les. Attends, c'est les amis. Alors Bender oh, on m'a kidnappé. T'es en retard. Nous ici c'est Victoria, c'est le chan de la victoire. Voilà. C'est ça. Ouais. Il commence comme non. Ah, non, non, c'est juste mon chan à moi ça. Victoria. On m'a kidnappé, moi je voulais juste rester côté Axe histoire de savoir ce qu'il raconte. Mais... On veut pas. Voilà. Rejoins Lys, quoi, du coup. C'est mieux comme ça. Hein. C'est mieux juste en dessous. Jeu. Ah, mais il est pas ici. Oh. Ouais, il a bougé. Il voulait que vous soyez en tête à tête. Ouais, bah en vrai, il va falloir parce qu'on doit voir ce micro. Attends, mais il y a qu'un seul US. Et faites gaffe aux paras, ouais. Hein, bah, les Bender, rouges. Ouais, non, mais j'arrive en US. J'arrive en cop. Tu vas voir l'état du pays, il est beau. Ouais. Non, putain. Tu vois, là, je viens de sortir la Grande Dépression, on est en 41, je viens de mobiliser une petite troupe. Il a bien lancé. Il a lancé des infras partout dans les zones où il n'y a pas de ressources, histoire d'être sûr que ça ne serve à rien. Enfin, voilà quoi. Du métal. Ça s'annonce bien. Bah, ouais, par contre, il n'y a pas de radar sur les côtes, il n'y a pas un. Et on est en quelle année là, 39 ou 40? 41. Putain, et t'as combien d'usines là, Nerfiche? J'en ai 448. Oh bah. Si tout est bien réparti. Et nous, on est chargé de produire quoi? On est chargé de tuer le. D'accord, okay. Le zap. Mais ça sert à quoi d'avoir des radars sur mes côtes si personne n'attendra mes côtes? Bah, les radars. Mais je pense que le job il va être ultra agressif, il va tenter une agression sur. Déjà, il va tenter. Il doit avoir une flotte orientée très offensive, tu vois. Et ils vont essayer de débarquer direct. Hein. Moi, je t'en préviens, je pense que. Si tu veux voir une tête, tu vas chez Darfish. Moi, je veux pas montrer ma tête parce que j'ai pas de caméra. Ouais, parce qu'il est moche. Et honnêtement, qui a envie de voir ta tête, quoi. Ouais, qui a envie de voir ma tête. Personne, on s'en fout, c'est important.
Ah bah visiblement il y a quelqu'un, hein. Que veut-il faire avec cette tête? Je ne sais pas. C'est qui l'Indien? C'est moi l'Indien. C'est Hasard. C'est un... Alors, Hasard, ton maître exige que ton armée retourne chez toi. C'est bon. Tu regarde, bouges de la logistique. Regarde l'armée. Tu bouges de la logistique. La va rejoindre c'est l'axe. Si je bouge de la logistique, c'est parce que je suis en... C'est parce que je suis en mouvement, justement. Oh, the fuck, c'est qui rejoint? Bah, c'est Bender. Oui, c'est, le... c'est le duo. Il y a plein de duos. J'espère, hein. Je suppose que c'est Bender, Bad 7. Duo russe, duo... Ouais. Alors, je vais pas vous mentir, je suis un peu embêté parce que j'ai refait une partie en multi avec le... l'Angleterre il y a quelques jours et je sais plus du coup ce que j'ai fait dans quelle partie. Est-ce qu'il y a une partie où j'ai enculé les sous-marins? Alors, moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment, tu râlais sur le Canadien parce qu'il avait nommé ses avions le navion. Ah oui, qu'il le nomme Spitfire LP Mark 1. C'est inadmissible. Là, c'est l'anglais où t'as aucun sonar sur tes bateaux. Là. Rappelle-toi, ouais, c'est celui-là d'anglais. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est l'anglais où je me fais enculer par les sous-marins. Ouais, je vais avoir une cop. Ouais, ok. Où t'en as coulé la moitié des troupes adverses, je crois aussi. Oui, aussi. Ah, c'est l'anglais où j'ai pas la crête. Putain, merde. C'est l'anglais où t'as pas la crête. Oui, parce que dans l'autre game, j'ai réussi à s'abuser la crête. Ça peut aussi être l'anglais où tu reprends la crête. Non, et puis quoi encore? Tu connais pas pour des risques. Une état d'esprit qui me plaît. Dans la théorie, dans 120 jours, je peux commencer à lancer une offensive vers Benghazi. 120 jours? Ouais. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ah, cette ambition. Dans 8 ans, je pourrais attaquer, chef, dans 8 ans. Wow! Je viens de couler 10 subs en une seule bataille, avec 41 avions. Ah oui, les avions, c'est pas magnifique. Ouais. On est pas en guerre encore, là, si? Non, on est pas en guerre. Là, nous, on est pas encore en guerre, non. Okay. Ouais, mais il a fait le focus Philippines, hein, normalement, donc il peut cliquer quand il veut, en fait. L'Italien va m'envoyer un message, s'il te plaît, m'attaque pas maintenant, je suis en train de chier. Bah, fais caca. Attention, regardez la Bulgarie. Normalement, fin du jour, elle va grossir. J'entends déjà l'Italien qui va gueuler. Parce qu'elle va demander si la... Parce qu'en fait, y a l'Allemand a un event qui fait qu'il n'a pas le choix, tu sais, il a qu'un seul bouton. Il donne tous les revendications de la Bulgarie sur la Yougoslavie et la Grèce. Mais vu qu'il est en train de chier, bah du coup, il peut pas cliquer. Qu'est-ce que je vais déléguer à mon cop? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je vais déléguer? T'es fort ou pas, Bender? T'es fort au jeu ou pas? Oui, plutôt. Moi, j'ai une bonne expérience. Ok, alors je te délègue les armées, je te délègue l'aviation et la flotte, ok? Ça fait beaucoup. Toi, tu prends quoi, du coup? Moi, je clique sur les boutons. Ok, ça roule. Bah, écoute, sur je prends le contrôle de la flotte. Ça dérange pas. Si t'as pas d'opposition. Ça me va très bien. What the fuck? Ça fait fou, ça. Je crois que les modifs de la dernière match se ressentent sur les efficacités de porter la voix, putain. La vache. Ah oui. Pourquoi? C'est vrai, pardon. Bah parce qu'en fait, avant je sais, je coulais par un sous-marin par-ci, un par-là. Bon là c'est 10 par-là, 5 par-ici. Mais en une seule frappe, c'est terrible. Bah ouais, non mais toi tu me fournis plus. Ah le chat, attention la caméra. Bah oui, mais les gens, si tu décales la caméra, les gens ont pu voir ma belle tête. Ma belle tête. Oh. Attendez quoi? Conseil d'être belle tête. Ah, j'ai importé de le machin, bon tant pis, je vais importer. Ah tiens, je peux importer du Canada. Au Canada. Pourquoi y'a un Éthiopien qui bouge mal logique? C'est insupportable. Ah oui, j'avais un général à mettre. C'est quoi le bug de jeu? Je comprends pas trop. Non, il n'y a pas de bug de jeu. C'est juste que c'est moi qui coupais des routes commerciales et du coup, je peux plus commercer avec des gens. C'est moi qui suis trop con, c'est tout. Ça. Je pense que là, tu peux rouvrir. Hein. Au niveau du Cap-Vert? Je vais... Au Cap-Vert, c'est la guerre! J'ai des bombardiers navaux qui vont y aller bientôt. Naval. Ah ouais, ça va. Ouais. Ah ouais, Cap-Vert, ça va être terrible cette histoire. Cap-Vert, quand tu fermes, ça crée trop de problèmes, quoi. Bah ouais, mais accepte les attachés. Le problème, c'est qu'il y avait tous mes convois qui coulaient là-bas. Donc, ouais, mais maintenant, ça va un peu mieux, là. Ça va un tout petit peu mieux.
Il y a personne qui a son nom. Ça va tellement bien qu'il y a plus que 50 sous-marins chez... 58 en tout dans l'axe. Ouais, c'est probable qu'il y a un type qui a le micro trop bas. What the fuck, pourquoi il y a de la cavalerie dans tes tanks? Qui ça, moi? Le soviet. Ah mais le soviet, il adore faire ça. Il a pas compris le principe, quoi. Bah, je sais plus. C'est pas si idiot que ça, mais enfin normalement il a la prod, quoi. Non, c'est super idiot de faire ça. Hein. Pourquoi? Perds toute ta protection en fait. Bah oui, tu perds toute la harnesse de. Non mais par rapport à la moto, la moto non plus, elle a pas de. Bien sûr que c'est la harnesse de la moto. Ah ouais. Je recherche ça. Convertir mes outils. Où est-ce qu'on a ça, blindage? Non mais en fait, tu passes ta tech 1 de mécanisé et ça te rajoute 100% de harnesse sur tes avions. Sur tes avions, putain, je suis en train de faire un avion, sur tes motos, pardon. Donc il faut, enfin je veux dire, ça, c'est il y a no match quoi, vraiment. Ah oui, exact. Protection plus 100%. D'accord. Je savais pas, tu vois, j'ai jamais fait gaffe. Exact. Je découvre le jeu. J'ai lui dire une connerie quoi. J'ai pas écouté. C'est quoi que tu découvres là? Que la moto, elle avait un peu de blindage aussi. On va faire une usine comme ça. Non, moi, j'avais bien compris. J'ai failli importer depuis l'Allemagne. Faire ça. Catastrophe. Je sais pas pourquoi j'avais plus d'importation là, j'ai dû tout refaire. La base aérienne Cap Vert, elle ouvre dans 6 jours. Qu'est-ce qu'il faut que je prod là? Et du coup, normalement, j'ai l'opération. Du char. Ça va me permettre de prendre assez vite. D'ailleurs, Darfish, pourquoi tu fais du char léger quoi, sérieusement? Pour faire des recos? Non, mais. Je te parle tes vrais chars légers. T'as design un M3 que tu utiliseras jamais. Derrière, t'as design le suivant. Tout ça, c'est des points que tu claques, mais pour que dalle. Et tu te Alors, je suis un peu embêté de vous. Il y a eu un bug sur la Norvège. Parce qu'en fait, le Reich Commissariat qu'ils ont formé, ils l'ont pas fait par la décision, ils l'ont fait à la main. Du coup, ça a planté ma chaîne de décision parce qu'ils considèrent que le tag n'est pas. Pas dans mon alliance, du coup, et que le tag est dans leur alliance, du coup, je peux pas prendre Island. Ah, parce qu'en fait, y'a pas de gouvernement d'exil. Bug, hein? Un de plus. Oh, y'a le Danemark qui est libre. Non, mais c'est parce que les îles ont pas été compris. Là, c'est trop loin pour être compris dans le. Canada. Ça c'est intéressant ça. Putain, c'est chiant, c'est très. Ah, la base au Sierra Leone est ouverte. Bon, Aigle, je suis revenu. Hein. Merci. Ah, je t'en prie. Il est cool celui-là. Mais oui, ils sont prêts, mes chars lance-flammes. Regarde, ils sont beaux. Oh, il a encore fait Sherman Crocodile. Putain, mais en fait, la Suisse, ça donne des bonus tellement vénères. Salut Hades! Ça va. C'est stylé, hein, mon Sherman Crocodile. D'ailleurs, en parlant de Sherman, il faut peut-être que je mette un meilleur canon dessus. Pourquoi 75 mm de course, c'est pas assez? Bah, c'est un obusier que j'ai mis dessus en fait. J'ai que 287 de réserve de pétrole, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais oui, c'est vrai, je vois un petit peu. Il te manque combien de temps que l'Africain? Une centaine. J'ai menti. 265. T'as combien de convois? 164. Bon, j'en ai 622 en stock. C'est quoi tes chars? Du Churchill. C'est toi, Bender, qui a partagé la flotte en plusieurs parties? Ouais, c'est moi. Je réorganise tout. Bah, vas-y, balance, même si okay. Normalement c'est bon. Mais... J'avais trié entre mes bateaux de base qui sont pas ouf et les bateaux que j'ai fait à part la suite qui sont plus stylés. Ouais, non, mais t'inquiète, ça va le faire. Ouais, pensez bien là, à la portée navale, à la vitesse, ce genre de trucs. C'est vrai que je divise en plusieurs. Ouais, mais ça va m'arriver dans en plusieurs armées. Vous savez qu'il y a plus d'infrastructures au Groenland qu'en Europe. Pardon? Bah, il y a 80% d'infra. Il y a une infra niveau 4, pardon, en Danemark. Ah, Stylax. Danemark, en Groenland. Oula. J'ai des
J'ai fait le succès à avoir les trois Roms et former l'Empire romain et mettre le pape en dirigeant. Ah, c'est rigolo de faire ça. J'ai pas réussi, moi. Ce que 100% des mecs sur YouTube ont fait. Ouais, censé être le truc secret. Ça peut rester secret bien longtemps. Non, c'est plus secret maintenant. Putain, on va garder un truc secret autour d'internet. Et surtout quand tu laisses le machin ouvert au public sur ta version bêta que tu présentes à tout le monde. Ah ouais, T'as accepté l'endlist le... Ouais, ok. Alors ils partent quand les tanks? Ils arrivent dans à peu près 20 mois, je crois. 20 jours. Ah, tu excuseras, j'ai mis un M minuscule et pas majuscule. Son tuto, tu l'as fait son tuto, c'est cool. Ça se met cool. Je peux pas faire de la propagande de guerre, une connerie de jeu. Mais l'allemand a débarqué en mer de chasse. Oui, il a fait l'opération Barbarossa. Non, il a débarqué en mer de chasse. Comment ça a débarqué? Ah oui, trop marrant. Non, il a fa... je sais pas. Ah non, il a envoyé des paras. Ah ouais, regardez, le hongrois et l'allemand, ils font full. Full. Ouais, quand j'ai fait l'édit, du coup, je l'ai vu qu'il ait préparé des paras. J'espère que d'ailleurs, c'est des vrais paras. Les gars, regardez. Bon, je crois que la garnison de. Je crois que la garnison de la Malaisie, elle fait coucou à Tokyo. Bon. Qu'est-ce qu'ils font là Il fait quoi comme focus le japonais là? C'est quoi le focus de guerre qu'il a qui fait C'est faire. C'est, pas savoir. Attaque des régions utiles du sud. Oh putain. C'est juste. Ah, que... j'ai libéré mes agents. C'est juste qu'il peut pas déclarer la guerre parce qu'il est en juillet 41 et pas en. C'est pour ça qu'il fait pas l'opération. Combien de chars il me reste encore à mettre dedans? Enfin, j'aimerais bien avoir le timing pour savoir quand il attaque quoi. Il va attaquer le 1er septembre. Mais il a déjà fait je crois son focus. Oui il c'est ça en fait. En gros là on est un peu dans l'expectative. Ouais on est en le 1er septembre il va... Bah, il va selon les règles il a le droit de le faire début octobre. Début octobre? Novembre, septembre. Début septembre. Ouais, c'est ça. Ouais, début septembre. On est d'accord. Je vais me faire ouvrir. Hein. Ouais, ça se fout à ma frontière, il y en a partout. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. Je peux faire des avions là-bas? Bah, je vais avoir besoin de soutien, les gars. Je vais pas tenir seul face au Japon. Hein. Comment on fait pour t'emmener des troupes? J'ai 24 divs qui arrivent là. On sait pas en Malaisie. Faudra mettre des aéroports. Elles viennent de mon pool de 100 divisions qui est chez moi. Ok, ok. Sur mes îles. Pour la vie. Ah oui, pour. Je suis en train de faire l'infra et l'effort là. C'est fort ça. Hé hé, c'est fort. Oh. LOL. Je fais de ces vannes moi. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Bam, 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 bam. Bonne bam, nuit. Bam, bam. Mr. Saunders, give me a dream. Oh là. Et ben, on va faire pouf, pouf, pouf. Hop là. Oh, ça me bouffe de la stab, ça c'est en fait. Moi j'ai viré toutes les motos de ma template de blindé. Tu vois, on va se trouver une petite censure. Oh bah, s'il n'y en a qu'une seule alors. Oh des communistes et des fascistes? Tu n'oserais pas! Je suis en train de les tuer. Oh, oh mon dieu, qu'est-ce que je raconte? Je suis fasciste. Extrêmement choqué de ce que est-ce j'entends. Que tu casses les vitrines du McDo? Non, dans mon pays, historiquement, c'est la ségrégation. Je l'ai un peu détourné. La célébration, tu dis? La célébration, il a dit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est quoi mon template? Ah oui, j'ai encore une nouvelle escadrille. Personne n'a du support équipement qui traîne, hein, je demande. Il tue des gens, espèce de fasciste. Du support équipement? Combien veux-tu? Il me faudrait un petit millier 5, et pas plus, hein, parce qu'après je suis dans la merde, moi, si tu m'envoies trop. 1500? Ouais. Est-ce qu'il y a des avions là de... Peut-être de l'appui aérien? Non, y'a pas d'appui. Putain, mais je te file déjà tellement de trucs. je crois que je t'envoie des convois pour que tu puisses importer les trucs que je t'envoie. Oui, je confirme. 90 heures de combat, on sait pas mon heure de
Allez, à 40. Ça coule encore au canal. Comment ça, je produis pas de patrouille maritime? Bah. Allez, hop, on va faire un truc de dingue. Ouais, tiens, la prod est revenue. C'est toi qui les as supprimés? Non, non, je t'ai rien supprimé. C'est justement, je suis surpris là, tout est. Alors, qu'est-ce qui a disparu là? Bombardier naval. Oui, c'est moi qui suis premier parce que je l'ai trouvé inutile. Tu vois, comme on a déjà du. Comme on a déjà du. Du CS embarqué. Bah écoute. On a juste du bombardier naval, mais la patrouille maritime est vachement plus en rien d'action, tu vois, en fait. Ah, c'était pas du. C'était de la patrouille. Ah merde. Je crois que c'était du bombardement. Ah non, patrouille maritime, là c'est le privateer. Ah merde. Bon, mais il y a un style de Catalina un peu dégueu, mais. Ah bah ressors-le alors, excuse-moi. C'est vrai qu'un petit débordement vers ça. Bah, c'est dommage, pas du charme. Bateau brut, ça paraît. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on a besoin comme bateau là? Grand chose, peut-être. Tu peux commencer à produire en avance, surtout du destroyer, surtout du cruiser aussi. Beaucoup. Ils veulent que je produise du tungstène, c'est quoi le problème avec le tungstène? C'est mes temples le problème avec le tungstène. Celles que t'as mis avec des voiliers, c'est les escortes, c'est ça? C'est ça. Ah putain, j'ai ça. Okay. Le problème de débarquer à Tobruk, c'est que Tobruk c'est une province de montagne, il me semble. Du coup, c'est de la merde. Par contre, j'ai bien envie de débarquer à Tripoli en fait. Tu peux, hein. Enfin, et il y a des escortes à compléter, hein. T'inquiète pas si tu vois qu'il y a du carrière houle, c'est normal. Hein. Que je suis en train de réorganiser tout ça. Est-ce que je mets des troupes aux Philippines ou pas? Je vais l'enfoncer. Ah ouais, franchement, enfin. Oui, Darfish, ouais, oui. Après, sur une posture défensive à fond. On défend les Philippines. Pour lui faire des pertes. On les fout à fond et puis on détruit leur marine et puis on les envahit après. Comme dans la vraie vie. Parce que oui, ils vont être extrêmement agressifs, à mon avis. Hein. Vraiment. Vas-y, j'engage. J'espère qu'on pourra les ravitailler. N'hésitez à taper dans le temps. Oula, sur chacune des îles. Pour me soutenir. Merci. Je sais pas si t'as de l'appui aérien qui peut viser. Ah, l'appui aérien. Peut-être un bombardement maritime. Il y a des. Alors, l'appui aérien, c'est parti. Hop, c'est bon, il y a du casse. Attends, c'est quoi le discours que j'ai dans les oreilles là? C'est pas Roosevelt, hein? Roosevelt, comment ça Roosevelt? Non, parce que si c'est le discours de Roosevelt, moi je me chie dessus, hein. Non, c'est pas le discours de Roosevelt, c'est n'importe quoi. Non, c'est le discours de notre ami le général ici. Bah oui, mais voilà. Si tu veux un joli colo, y'a pas de soucis. Tant que tu lag pas, je m'en fous quand il y a le joueur. C'est pas mon général qui se bat, pourquoi? Parce que le mien il est meilleur! Ou alors il est plus blanc! Non, je pense pas que le général sud-africain soit extrêmement bronzé. Hein. C'est pas trop la politique de la maison. Il est pas très très bronzé, mais il est bon avec les chars surtout. Ah oui, non, mais t'en demandes beaucoup quand même! Bah non, mais c'est pas grave. Mais non, mais ça applique le bonus aux divisions, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est pas grave. Alors, je prends quoi comme conseiller, Bender, tu penses? Infanterie? C'est sûr, mais c'est pas grave. Je sais pas, attends, faut que je vois. Infanterie, c'est sûr. Alors. Ah bah oui, non, c'est pas négligeable, tu vois. L'attrition aussi, clairement. Et Est-ce qu'on peut avoir en bonus naval éventuellement? L'attrition, t'es sûr, c'est utile avec la prod qu'on a? Bah écoute, oui, hein. Franchement, on va se manger de l'attrition méchant. Hein. C'est le discours de Staline, oui, c'est le discours de Staline. Ok. Stilwell, du coup, Clark et. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Attends. Est-ce que les assauts amphibies, tu les as bien planifiés ou on les a pas encore? Ah non, j'ai pas encore, j'ai rien planifié. Hein. Ok, bah, j'ai mes marines qui sont à. Ah écoute, dans ce cas, pas de. Ils attendent. Hop là! Vas-y, fonce, je pine! D'ailleurs, on va peut-être commencer à les planifier, non? Oui, bon, bah après, d'abord, on a encore du temps d'après toi ou pas? Non, je laisse quand même. Il peut attaquer d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Naval, de l'entière. Ouais, bah je te laisse les prendre, c'est Truscott okay. Qui les combat. On va avoir des problèmes de ravitaillement au bout d'un moment.
Okay. J'ai des amis de transport. Il organise vite fait ça, je viens de terminer. Je D'ailleurs, je sais plus que ça vaut le coup que je prenne 22 griffes pour avoir le mec qui a le Trade Invader ou pas. Ah, mais non, il a fait un dépôt logistique que t'as capturé, c'est bon, attends, Franchement, ouais, on va en avoir besoin. Hein. Ouais, il part. Bah ouais, mais ça veut dire aussi que dans ce cas-là, on n'a pas les bonus de tech naval et tout, quoi. Personne ne cherche à chercher. Ouais, mais on est déjà pas mal, hein, niveau tech naval, j'ai regardé. Moi, je cherche à pousser. T'as déjà bien entamé le truc, hein. Donc, on peut se permettre peut-être. T'as pas fait les damage control, ça c'est dommage. Mais je les oublie tout le temps parce qu'ils sont tout en bas. En fait, elle fuit déjà. Ouais, faut les faire. Bah, je vais les faire, c'est quoi la prochaine tech que je fais. Ça roule. Parce qu'en plus, je fais des techs en avance d'artillerie. Donc, C'est cool, je pense. Ah non, j'ai trop de destroyers ici. Est-ce que je peux te demander la protection de l'Afrique du Sud pour aider à les développer et tout ça? Ah, qui c'est à moi? Oui, bah c'est toi qui contrôle l'Afrique du Sud. Oui, évidemment. Oui. Ah, j'ai les premiers Sherman qui sortent. Alors. T'es pas tonne. Je sais que t'arrives pas à passer. Moi, j'arrive pas à passer parce qu'ils sont un peu nombreux. Mais ça va le faire, t'inquiète pas. Mais alors, tu veux la protection de l'Afrique, mais non, tu mais n'arrives pas à passer. Parce que le radito n'est pas si, là. Si, je passe. Il faut juste me laisser un chouïa de temps. La voie ferrée est connectée. Dans 8 jours, dans 7 jours. Une fois de plus, l'infanterie britannique est plus efficace que les chars sud-africains. On se demande pourquoi il y en a un qui est colonisé et pas l'autre. Je pense que cette marque est... Oui, mais vu que t'as envie que je te donne des territoires, tu vas quand même rien dire. Hop. J'espère qu'il va pas nous attaquer maintenant, parce qu'il y a tout un groupe d'armées qui est en train de se diriger vers les Philippines. Après, ils ont bien fait le taf, mes chars. Oui. Mais enfin, tu veux dire mes chars. Ouais, en vrai, faut pas être trop optimiste. À mon avis, tout ce qui est Philippines, les îles comme ça, elles vont tomber comme. Avec les 24 divs que j'envoie, tu crois que ça va tomber? Ouais, elles vont tomber. Hein. Je te préviens, ça va être chaud. Les plus petites bah, îles vont être faciles à défendre. Alors, hein. Dans 5 jours, ça va se jouer. Enfin, si tu veux bouffer un petit peu sur le manpower japonais, mais. Ah non, mais ça va tomber, quoi. Clairement. Et Darfi, je t'envoie le Military Access, si tu veux mettre des divs chez moi, genre au cas où ça pousse fort, et que tu pars de chez moi après n'importe où, Le port, c'est le premier novembre. Limite, ouais, l'Inde, c'est un pays ultra primordial, hein. On va avoir une base pour lancer des offensives. Tant que je suis pas indep, je peux pas sortir de troupes plus que ce que j'ai. Hein. Là, je suis à 22 000 de manpower, je peux plus sortir de troupes, j'ai 56 divs. Ouais, franchement, Indien... Je t'envoie l'Inde aussi, non? Non, mais vraiment de la viande. Ouais, de la viande. Et tu les redéploies après dans le Pacifique en partant de là-bas, tu vois. Ça peut même être une bonne chose pour toi. Genre, ouais. ça peut aller. Ça la peut aller dans les petites villes, okay. N'importe où, quoi. J'avance avec toi. Je vais faire une escale par le sud du Pacifique. C'est parce que mes blindés ont manqué un peu d'organisation. On va arrêter. Continue, je les fais quitter le combat. Ok, c'est juste sur la montagne. En vrai, pilez juste le temps que je débarque à Tripoli. Comme ça, il pourra pas replier des trucs. Ouais. Envoie des avions à Tripoli. Ah non, quelle année? On est en 41, j'ai pas fait 41. J'ai même pas fait le Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait, Typhus? Typhus. Il attrape une maladie relativement sérieuse. Il demande un join. Non mais je sais pas, dans mon chat il met enfin il a... Ok, il est ban des gens. Ah, mais... T'as ban quelqu'un, t'es fait pas exprès. Ah. Pourquoi t'es pas ravitaillé? T'as motorisé ta logistique? Ouais. Je suis en train de débarquer à Tripoli, y'a rien. C'est vide. Oh. Bah prends vite l'aéroport. La marine est prête. Ça sera pas tri, mais ils savent pas d'orga, hein. je vois des mecs qui sont pas tri. Mais... Oui, mais j'ai prévu le coup. J'ai débarqué à côté nice. Aussi en même temps. Terminé. Hop là, je suis posé. C'est fini. D'après toi, Darfish, les Japonais, ils vont débarquer en priorité où, à peu près? J'en ai absolument aucune idée. Prends l'aéroport à Tripoli. Le
Oula, là, ah, putain, et envoie des troupes, envoie des troupes surtout. On a pas ouais, assez, parce là. Que là le Siam ça a dû. Je t'envoie Léonard Giraud qui. En ce moment il est autour d'Hawaï. Giraud Ouais, c'est Olivier Giraud en personne. Il essaye de se barrer ou pas pour savoir si je suis en flotte. Attention le chat, la caméra enfin. Ça vaut toujours le coup de sortir la flotte. Non mais en mode. Oula, oula, le pétrole. Ouh, moi, ça va, hop là, mais moi j'en avais plus. Oui, ouais, sur les Philippines. C'est la grosse dive en plus, je crois. Ah bah, j'ai que des dives ok, hein, j'ai aucune dive de merde. Là. Je suis en train de couler des petits bâtons. Ah ouais. C'est des dives 24-27. Niveau défense, c'est pas mal. Ah, on a pris le contrôle de... du désert de Libye. Je les ai mis en garnison aux Philippines. S'il y a personne. Vraiment, c'est nécessaire. Vas-y, on fonce, ok. Là, il va essayer de tout replier, je il passe s'en au convoy reading. Il quitte l'Afrique, hein. Convoy ouais, reading, c'est parti. Ah, je fais pas qu'on saute des radars, en fait, c'est chiant. Hop là, ça s'est encerclé. Ouais, il les envoie à Benghazi, bah oui. Le souci, c'est qu'ils ont une portée d'invasion navale de folie, quoi. Ouais, d'ailleurs, le Sudaf, méfie-toi, hein. Bah, du japonais. Bah, je peux pas protéger mes. J'ai chopé la flotte italienne. Ouh. Ouf, ouh. Hop là, on va faire monter les doctrines. Swap up, positioning, efficient, voilà. Mais il te touche pas. Il te touche pas, lui. On va faire du painting en Afrique. Allez, c'est parti. Oh oui, tu lui tombes un CA. Ouais, pour le discours, j'ai dépensé de l'argent. Oh putain, ce que je. D'argent. Joli là, hein, le. là, tu lui laisses au port pendant un bon bout de temps là, ça. Bon, il est parti. Il est parti. C'est quand même. Ouais, oh, j'ai rechopé un morceau. J'ai rechopé la flotte. Les Italiens ont fui, bah oui. Tous les CR là, putain, si tu pouvais tomber ça. Ouais, mais j'ai une flotte qui est pas opti, du coup, je fais pas de. Le Canadien, t'as pas de quoi envoyer du. De... J'envoie 200 bombardiers navaux. Ouais, ok. Naval. Naval, mais ok, ouais. Mais on t'en veut pas. On réussira un jour. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Bah, il y a peut-être moyen de faire du strike port hein, après, hein, les gars. Avec tout ce qu'il a de blessé. C'est pas de la précommande du DLC. J'ai rechopé la flotte toujours. Un CA qui est coulé. C'est pas moi qui bouillis par le chat, c'est la caméra qui par le chat. Les ricains, si vous avez, si avez masse fusil, envoyez ça aux East Indies. Hein. Je vois la MP qu'il a, le Dutch East Indies. Un battleship down. Ok. Il a un million, il a un million, il peut sortir peut-être 10, 15 dives. Deux battleships coulés. Eh bah, la campagne d'Afrique s'est hyper bien passée. Bah oui. Une fois que les Churchill sont arrivés. J'ai mis le flingue. Des chasseurs en Méditerranée. Des chasseurs, pour pouvoir faire. J'ai fait l'équivalent sur. Ah oui, 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 en fait, oui, des vous chasseurs. Vous voyez la base là, à Catania, c'est. Il y a du bateau dedans. N'hésitez pas à faire un petit port strike. Hop là, encore un bébé d'armes, 4 CA tout coulé. Un télécavo là. Ouais, oh putain, le bébé, allez. Hop, non, mais elle est en train de s'exister, la petite italienne, il n'y a plus rien là. Voilà. Ouais, et regardez, on a les infos, de toute façon, on les voit où elles sont les flottes. Regardez, ça sera patrie là, et ça sera patrie là. Allez, vous pouvez suivre un port strike. Ouais, 2 secondes. Ouais, ça c'est. Du coup, on tente pas d'invasion navale? Non, pas encore. Non, je pense que c'est trop tôt. Pour... Tiens, on va. Pour l'instant, je pense que le mieux à faire, c'est de détruire la flotte et puis après de. Et même ça. Ces îles-là, là. On défend. Après, si les îles Marshall. Parce que tu vois, ce qu'ils vont essayer de faire, je pense, c'est de prendre nos petites îles, nous couper notre ravitaillement jusqu'aux îles principales dans les Philippines. Alors moi, je vois qu'il vient de foutre ses dives à. Là, il vient de les réorganiser à ma frontière, là. Bon. Bah, il va essayer de te faire tomber rapidement, je pense. Hein. Ouais, ouais, c'est pour ça, les. Il va je sais pas. Le... Comme un taureau, tu vois, à mon avis, il va pas te lâcher. Hein. Donc, ouais, ça va être chaud là. Non. Et pourtant, faut le garder. Hein. C'est, est-ce qu'il y a des petites médailles il reste 33, il y a plus aucun navire capital dans la flotte italienne. C'est fini. Écoute, de toute façon, j'ai divisé en 2 grosses flottes. Hein. Donc, il y en a une qui sera dans les Philippines, une autre qui ah, sera. Ah, c'est vrai que j'ai pas l'accès chez la. Ok, l'Africain, tes chars.
Toc, qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite? Est-ce que tu peux mettre tes avions au-dessus de l'Italie, s'il te plaît? Comme ça, je bombarde le reste. Je peux mettre mes avions au-dessus de l'Italie, c'est parti. Merci. Alors, dis-moi quoi c'est. C'est bon, j'y suis. Où est-ce que j'envoie mes chars? Soit on les garde en réserve ici, parce qu'après il va y avoir Singapour là, la Malaisie. La flotte est prête. Le problème c'est que tu risques de les perdre sur le convoi. Garde-les ici, on les garde en réserve quand je débarquerai. D'abord je vais me taper les îles là, donc les Baléares, la Sardaigne et compagnie. Ouais, me les sur un port. Ou 19 div à Singapour, là, qui sont arrivés là. Singapour, ok, ça va. Bah, tu vois, bah, ça, bonne info, tu vois. Hop. Oh, ouais, bien vu. T'inquiète, je surveille les frontières, moi, je suis un peu en stress là. Ouais, donc wow. ça pue, bon, ça pue. Y'a des forts 9 et des forts 10. Bon. Ouais. Ouais, mais tu vois, non, mais au moins, on a une flotte de sécurité. Pour sécuriser les îles néerlandaises. Par contre, tu passes par où? Par contre, moi, si mes personnes, j'avancerais sur le Dali. Hein. Hey, l'opération Barbarossa, c'est un peu. Il est pas pote avec le Siam d'ailleurs. Si. Pas moyen d'annuler un mouvement naval. Je vais importer un chouïa encore. Mender, ouais. À l'aide. T'arrives quoi? À l'aide. Regarde par où elle passe. Oh, j'ai même pas l'alerte. Elle est où? L'anglais. On peut peut-être caler un petit radar sur la Gambie, et il nous emmerde toujours la Cap Verde là. Mais j'en ai un de radar là-bas. Non, unité orientale. Ah non, tu l'as en bas, ok. Ouais, il est en bas. De nos Lulu, de Dawei. Ah oui. Ok. C'est bon, j'y suis. On peut les réorienter ces divisions? Ah, celle-là? Ouais. Non, ça dépend si t'as un port normalement plus proche à côté là. Ouais, c'est bon, je les ai réorientés. Ah ouais, cool. Ouais, je suis super. J'ai tué 21 000. Parce que j'ai voulu les envoyer en Inde et c'est parti d'un coup. Ils passent par là. J'ai pas le droit de les ouais. Et en Inde, les infrastructures elles sont bonnes niveau supply tout ça. Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça. Moi j'ai construit du supply exprès. À la rigueur, quand on rentre en guerre, ce que j'aimerais bien c'est que le Rikin tu me fasses une liaison terrestre entre la capitale et la Birmanie. Si tu peux me faire des voies, ferré. Si y en a d'entre vous qui peut faire ça. Ah ouais, je peux faire ça, moi. Le train, cool. J'y arrive. C'est cool. Le train, j'y arrive. Okay. Les bateaux, c'est compliqué, mais les trains, ça va. Bah avec la campagne de la Méditerranée qui s'est terminée, enfin la campagne d'Afrique, je vais peut-être balancer des bombardiers navaux à Singapour. Naval, c'est terrible. Dans les airs au-dessus d'Italie, je lui mets du 1 pour 2. Ok, putain, par contre, on prend tellement d'attrition là. Est-ce que je peux aller là? Pourquoi je peux pas aller sur les ports britanniques? Bah, demande-le. Attends, on est dans un avion. Bah... Vas-y, essaye, vraiment. Ah, bah, ça y est. Ah, bah oui, tout de suite, ça marche mieux. Okay. Ouais, hein. N'est-ce pas? Moi, j'ai. L'Australien, il acceptera pas. Ah, ouais, d'accord, c'est ce Darfish. Donc je vais aller là, ensuite je vais aller sur l'île de Noël. Enfin, c'est l'île Coco, l'île de Noël c'est là. Et ensuite en Inde. Voilà. Le périple ils ont en fait quand même. La rigueur, tu peux aussi, si t'as des troupes de garnison, je sais pas, genre je vois Ceylan, c'est pas protégé. Il y a plein de petites îles pas protégées. Hein. Ouais, j'ai des troupes de garnison, mais elles gardent mes îles quoi, et puis mon territoire. Ah mais ce que je t'ai dit, tu devrais avoir beaucoup plus de viande là, à ce niveau là du jeu. Mais on fera avec. Il faut juste espérer qu'il soit pas en train de stream hack et qu'il le voit pas trop quoi. Y'a que Sissi qui stream hack comme encore. Non, parce que stream hack c'est pas cool. Hop. Ouais mais vu qu'on a dit que c'était chill tu vois, et ça n'empêche pas d'être sur ton live, enfin je sais pas. Merci bien. Non, ils ont l'air d'être réglo les japonais. Ouais ils ont l'air cool les japonais. Je veux te développer ça comme un port. J'ai mis deux i. Mais comment tu parles? Tu vas me développer comme un porc. Ah oui, j'ai mis deux i à il. Bon bah. Et le cochon va. C'est moi qui va devenir le porc. C'est le nouveau pronom, tu vas comprendre. Pareil, Darfish quoi, petite. J'ai regardé ton replay, mais tu devrais avoir le fusil 42 là, sorti là, tout de suite.
Là, tu produis ton vieux 39, c'est des petits trucs comme ça qui te mettent vraiment en retard. Après. C'est plus sympa comme ça. Tu comprends pas, CRP. CRP, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, je suis encore au Springfield. Hein, dans fiche, défend en priorité les petites deals, tu sais, encerclées au Japon. Attends, j'essaie de t'envoyer un dessin. Attends, c'est plus simple. Il a pas encore déclaré la guerre. Tu vois, dans les régions des Mariannes, dans le West Emperor Chain, tu sais, tu te mets sur la carte maritime, tu vois, tu verras les petites îles. Ça peut être une ligne intéressante à défendre, en priorité. Je peux pas développer les mines là. Alors, tu peux donner le nom des îles, que ce soit clair, parce que. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois le voile. L'île d'Agatna. Oh là là. L'île de Wake. Ah oui, Wake. Et tout ce qui s'ensuit, tu vois, la ligne. Ça forme une sorte de ligne. Eh oui, Wake, Darfish, réveille-toi là. C'était gratuit. Il y a pas moyen de mettre une priorité sur les ports que l'IA défend. Mmh, tu peux normalement, je crois. Attends, faut que je regarde ça. Oh, ah non, attends. L'anglais, tu veux rigoler 5 minutes ou pas là? Tu vas dans Area Defense 6. Regarde mon ping. Je coche, tu vois. Ouais, mais j'ai fait une blague à chose à poser. Je choisis un port en particulier. En priorité. Juste en mode mec là-bas quoi. Ouais, je m'en occupe. Alors attends, je vais prendre des divisions à la con. Request for si. Choisis un point en particulier, tu veux le défendre en priorité. Il prend tellement d'attrition à Singapour, ça a vraiment pas de sens de mettre autant. Tu sélectionnes que des ports, tu vois, mais dans ce cas, ça risque d'être. Ouais, mais c'est fait, je sélectionne que les ports déjà. Non, mais là, il y a de l'attrition parce que ça entraîne, c'est tout. Je crois pas, non, je crois qu'il y a, non, y a pas que ça. Non, mais le rouge, tu vois, regarde. Là, il en prend un petit peu parce qu'il supply. Ouais, quand le supply descend. Non, il en a même en bas, hein. Quand tu regardes près de. De Kota Baru, il en a vraiment énormément. Hein. C'est la jungle, hein. Ça pique les moustiques, hein. Ça fait mal aux âmes. Hein. Bon, il y a 3 Fort 10 devant lui, bon. Il se tape un chikungunya, oh, c'est assez sévère. C'est que je vais faire 2 troupes. Alors oui, ça c'est du considéré comme du... Ouais, il va falloir que je modifie quelque chose. Le Canada... Ah non, mais... Ah, c'est quoi ça? C'est un seul mec. D5, non, tout le monde a D5. Monsieur le Canadien. Est-ce que tu peux faire un rapport d'opération? Que fais-tu? Que fais-tu? Quelle est ta production? Ou est-ce que tu mais, alors, je merci pour ce cette R5 tactique. comment ça se passe côté allié? On a terminé l'Afrique. Ah, parce que nous, on fait du damage control pour le moment. C'est... Mais sinon, là, les Russes, là, vous rendez pas compte quand il y a deux nations en face qui ont des comment on appelle ça, des transports aériens là, que vous allez vous prendre des paras, ça vous a pas tilté? On s'est pris des paras. Oui, bah justement. Enfin, en fait, si, mais il y a un moment. Comme par. Mais le truc, c'est que hein, c'est pas grave qu'ils regardent les safes, parce que comme par hasard, c'est le seul endroit où il y avait pas de garnison. Hein. Non, c'est assez souvent que ce soit le cas. Hein, F12. J'ai pris un screen. Wow. C'est pas que j'ai pas crash. On a besoin d'aide, les copains. Hein. Puis après, en vrai, c'est pas grave. Hein. C'est pas la au nord, ça n'a pas été un problème. Hein. On leur a fait même pas mal de kills au nord. Ah bah, il est 600 000 de para, hein. C'était pas des petites divs. Non, ça ressemblait à des vrais divs. Hein. Ok. Elles avaient un intérêt stratégique, donc j'imagine. On n'a pas le détail complet, mais ça ressemblait à de la vraie div. Ouais, très bien, il y avait des canons, il y avait un peu de tout. Mais en fait, moi j'avais mal interprété la règle, j'avais mal lu. Moi je croyais que justement on n'avait pas le droit à beaucoup de paras. Ah non, il faut juste que paras, les. Je suis pas méfié de paras, moi. T'es largeur de 10. Ah. Pourquoi t'as quitté? Ah, j'étais descendu.
Ah. Bah, tu sais que t'as un bouton pour R5, hein, t'as pas besoin de quitter. Non, non, le jeu il a quitté automatiquement. Ah, d'accord, ah. D'accord. C'est la première fois que j'entends ça. Non, c'est pas la première fois, ça m'arrive. Toi, le cancer. Moi, c'est les copains à l'aide. Il revient. Ouais, bah, à l'aide. On a déjà une campagne de Libye formidable. Ouais, bah, attends, faut passer à la suite. On l'a ça vous dit pas une campagne de Berlin? Non, mais les gars, buter des singes dans le désert, c'est bien, mais débarquer dans le bourbier qu'est l'Italie, il faut au moins des charges, j'en ai toujours pas, moi. C'est bien, mais on débarque en France. On débarque en France. Moi, j'ai vous voulez divisions... pas débarquer à Königsberg? Comme moi, ça. J'ai trois divisions qu'ils ont fait leur taf. On fait du damage control, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Mais c'est bien, t'as Histo comme ça. Leurs divisions sont meilleures que les autres. Enfin, Histo, je sais pas, parce qu'ils ils avancent beaucoup moins vite théoriquement. Hein. Ouais, genre, y'a pas de la cavalerie dans vos divisions de tank? Non. Non. Ah, si? Non, bah non, on a pas de cave. Si, y'a de la cave, y'a pas de camion. Ah, tu m'étonnes qu'ils avancent. Non, mais après, nos chars, on les a pas designés pour qu'ils soient bons non plus. Ils sont. Nos chars, ils sont corrects. Mais c'est tout. Non, il y a de la cave. Non, mais on parle du char. Ouais. Non, mais dans tous les cas, c'est pas spécialement leur char le problème. Même leur infanterie nous pousse. Un petit peu, parce que vous n'avez pas de quoi contrer leur char, donc c'est un peu. Si. Notre infanterie. Ça a repris, d'ailleurs. Si allô, je dois déco parce que j'ai le bug des commerces. Ah. T'as le bug de quoi? Le bug des commerces. Bah, en fait. J'étais en train de trier pour voir qui était plus intéressant, et puis vous avez Reos. Enfin, vous avez. Ah ouais, bah ok, du coup c'est quoi si tu reviens, c'est ça? Oui, et puis le jeu m'a fait nier. Tu t'as mis en Branded? Bah, ah, on s'est fait jeune. Fucked up. Ah ouais, bah ok, France. Bah t'es déjà là. Ça? Ah ouais, là, ouais. J'ai une super fourchette des infos des industries du Union soviétique, en entre 230 et 612. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai bien ça, j'ai une tout cas, super fourchette. Leurs divisions blindées, elles sont belles. Hein. Putain. Attends, mais c'est un mélange de camions et de half-track. Bah oui. Ouais, ouais. Il produit sa half-track et en attendant, il a les camions. Ouais. Et dans leur division de tank, il y a de l'artillerie anti-char motorisée. Il y a pas d'artillerie. Il y a de la méca dedans. Oui, il y a de la méca, de la moto, des chars évidemment, enfin, de la reco, ravitaillement, hein. Comment ça s'appelle? Des voitures blindées de reconnaissance, ouais. Et ensuite c'est de l'anti-char motorisé et de l'anti-air motorisé. En vrai, on a des divisions d'infanterie spécialisées, on doit en avoir genre 160 sur le terrain, et elles battent leurs tanks. Elles percent. L'infanterie spécialisée. Bah nous on a deux infanteries, on a de l'infanterie de ligne et de l'infanterie spécialisée qui sont faits pour percer leurs tanks. L'américain. Ok. T'as quoi dedans? De l'anti-char, cette seconde. L'américain. Non. En vrai, c'est ils disent spécialisé, mais c'est notre infanterie d'élite en fait, tout simplement. Oui. Je vais enlever ça. Monsieur Amérique. Oui, c'est moi Roosevelt. On redescend socialiste. Oui. Ouais. Bonjour Monsieur Roosevelt. Oui, c'est juste pour vous prévenir que je vais avoir besoin pour l'Europe de casse. Je ne prévois pas d'en construire. Alors, combien tu en veux? Mais non, j'en veux pas, mais il va falloir que tu en amènes quand j'en demanderai. Y'a pas le... Ah, l'esclave... Bah y'a pas l'esclave canadien qui l'a fait, ça? L'esclave canadien... Bah, il est... Eh ouais, l'esclave canadien, j'ai demandé un rapport, je l'ai pas eu. Bah oui, en même temps, ils sont débarqués dans le vocal. Oui, bah, alors moi, je fais de la... du patrouilleur maritime, du chasseur et du cas. Oh, merde, mais il a pas déclaré la guerre aux Philippines? Non, il commence par la maladie. Ah, s'il prend un Malaisie, ça fait un sacré. Il peut sauter sur les Andes. Hein. Ouais, bah c'est. Je pense que c'est leur plan de jeu, quoi. Bah ouais. Ouais, mais il avancera pas en fait. Vas-y, Darfish, tu serais prêt là pour te lancer dans une guerre? Parce que. Je pense qu'on aura pas le choix là. Il est obligé de nous attaquer en février dernier délai. D'accord. D'ailleurs, je vais lui dire qu'il soit. Ça va tenir un peu, quoi. Que... Ça peut puer du cul, quoi. Je vais te dire. Je peux pas encore faire une petite intégration? Ah si, intégration industrielle de la région. Fait. Oh.
Il y a un des deux japonais, celui qui contrôle la flotte, qui me demande s'il peut avoir un visa de longue durée aux États-Unis. Ok. D'accord. Pourquoi pas ? Écoute, je pense que ça veut dire qu'il prévoit sa défaite. Ça augmente. Pourquoi ça augmente cette connerie ? Oui, mais à cause de... Oh merde, il y a des bateaux ici. Oh merde, ça se bat en... C'est où ça ? Est-ce de l'océan Indien ? Oui, il y a des... ça se bat, oui. Oh merde. Est-ce que je devrais passer plutôt sur ça ? Vous avez pas moyen de sécuriser la... Non. La mer ? Je occupé avec les Allemands déjà, moi. Attends, mais t'es l'Américain ! Mais comment ça, tu me demandes de sécuriser la mer ? Je ne suis pas en guerre ! Ah bah oui, c'est vrai, je suis pas en guerre. Mais dans quel monde tu offres la possibilité pour eux de m'attaquer moi sans toi ? Ouais, normalement ça doit être l'inverse là. Ils sont bah après ils sont obligés de nous attaquer en février. Non mais en février, mais non mais mytho, stop mais là, vous avez commencé par les Philippines de base. Ouais, j'ai pas pensé à ça dans la... j'ai pas pensé à ça dans les règles. Il y a un mois à tenir, mais globalement, ça leur fait 3 mois sans l'attaque américaine, quoi. Ouais, des coups de bas dans la mer de Malak. Mais putain, je me suis vraiment battu avec cette merde dans mes poches. Ah, ça attaque depuis le Siam, là, non ? Ou ça t'entends débarquement ? Je sais pas, ça attaque depuis le Siam. Ça attaque depuis le Siam, avec une situation catastrophique en logistique. Voilà. En logistique catastrophique, bah ouais, j'ai toujours pas déployé mes putains de transports. Ah, mais pour eux, je parle. Hein. Ils attaquent, ils sont dans le rouge. Ah oui, mais aussi, c'est la merde, la logique. Hein. Darfi, je prépare un débarquement depuis les îles. Depuis l'île de Malaya jusqu'à Singapour. Parce que ça va sûrement tomber, il faut qu'on récupère cette île au plus... Enfin, ce pic-là... Tu me dis que tu le prépares ou tu me demandes de le préparer ? Bah, prépare-le, s'il te plaît. Alors, tu m'as dit depuis quelle île ? Depuis l'île du nord du Bornéo. Donc au niveau des îles néerlandaises. Au nord. Nord de Bornéo ? Bah, Bornéo, quoi. Territoire ouais, Malaisie britannique ? Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai pas l'accès. Je peux pas le faire. T'as pas l'accès encore ? Bah non, je suis pas en guerre, je suis pas dans les alliés. Je peux pas demander l'accès. Ah non, c'est demande bah non, c'est la Malaisie. Bah non, c'est la Malaisie, il est signé, il accepte pas. C'est pas le maître. J'ai déjà signé. Ouais. Non. Ouais, si, il me semble. Ouais, je pensais que c'était au genre. Tu peux en préparer une depuis les Philippines, peut-être ? Je pense. Tout moyen. Éventuellement. Il y a la flotte anglaise qui est là. Hein. Japonaise, pardon. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que Singapour tombe, de toute façon faut pas être naïf. Ça pue la merde, ça flotte. Ça pue la merde pour lui là tout de suite, hein, surtout. Après, il faudra voir s'il y a un débarquement, mais. Je suis en train de perdre tous mes convois, c'est une catastrophe. Non, mais bombardiers navaux ne veulent pas attaquer. Mais on sait pas pourquoi ils sont déployés, ils ont l'ordre, mais ils attaquent pas. Ok. J'ai envoyé mes marines. M'en fous, j'ai pas de ça, contre, je vais faire de ça. Contre, Philippines... Non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça, je m'en fous. Bon, l'Amérique l'aide. De toute façon, le Japonais va finir par déclarer la guerre. Ah, il se casse les couilles, là, quand même. Je vais pas vous mentir. C'est bon, je suis dans Là, je viens de perdre 200 convois en 2 semaines. Invasion navale à Cap Comorin. Il débarque au Sri Lanka. Sri Lanka, il y a une garde. Ah, mais putain, je suis pas en guerre. Mais comment ça, t'es pas en guerre? J'appelais tout le monde. Tu m'as pas appelé. Non, mais si, j'appelais tout le monde. Alors, attends, il y a un bug. Laissez la pause, hein, les gars, SVP. Attends, je te propose moi de join noir. C'est normal la pause, les gars? Ouais, on a un bug, je suis pas appelé en guerre et je sais pas pourquoi. Bah oui, nous on l'a vu aussi, mais... Mais si tu veux, c'est moi qui défends ces langues, j'étais en train de débarquer, donc si tu veux, il y a... Je sais bien, mais c'est à l'anglais de t'appeler pour le coup. Non, mais il y a un bug, il a appelé tout le monde, il a fait call to war. Là, je viens de lui renvoyer un truc. Ça fait 3 fois que je l'appelle dans la guerre, en fait. Ah, c'est bon, là c'est bon.
Parce que nous, on pouvait déclarer la guerre, mais pour le coup, on voulait t'en. Ok, ok, c'est bon, le Shanghai. Ok, bah, c'est bon, tout va bien. Allez, c'est parti. La flotte US, elle est là ou pas? Ouais, ouais, elle est là. Elle est pas en guerre. Mais on n'est pas en guerre, hein. Ouais, aussi. On risque de se répéter. Ah, il doit attaquer avant le 1er février, non? Ouais, ouais, Non, c'est quoi? C'est 7 décembre, l'attaque ouais. Zurich. Donc c'est 7 février. Pour 2 jours. Non, non, mais j'avais pas pensé à ça, mais oui, effectivement, j'aurais dû dans les règles. Ah, mais c'est parce que je suis pas en guerre, moi, non plus, si. Toi, le Canadien? Mais oui, c'est pour ça que mes bombardiers fonctionnent pas, en fait. Ah, putain. Accepte l'anglais, je t'ai envoyé une demande. Les colonies qui font sécession. Bah, on fait comment, du coup? Putain. Ah, mais t'es pause, parce que là, il est en train de gagner, moi. À cause de ça, quoi. Non, mais comment on peut faire? Essaye de m'appeler dans la gare. Je peux pas, t'es déjà en la guerre pour moi. Attends, ici, moi je te vois en guerre aussi. Ah, mais pas contre le Japon, effectivement. Call to arms. Là, je t'ai demandé à nouveau. Ouais, c'est bon. Putain, je sais pas pourquoi ça passe d'un coup. Quoi. C'est bon. Tout okay. Le monde ici est en guerre contre le Japon, sauf les US? Non, l'Afrique du Sud ne l'est pas. L'Africain aussi, je pense. Bah, l'Afrique du Sud, pop-up, là. Hein? Pourquoi j'ai un appel aux armes du Canada? Comment ça, t'as un appel aux armes du Canada? Ah, parce que... Ah, bah... Tu garantis le Canada? Ah, c'est parce que j'ai garanti le Canada, c'est pour ça. Bah, du coup, on est en guerre. Ça, c'était moyennement. Bon, bah, y'a full convoi, y'a full division, y'a full flotte par là, là. Détruisez tout. Alors, attends, ça c'est quoi? Medium Bomber. Non, mais attendez, mais y'a un souci là. Qui c'est qui squatte chez moi? Le Danemark et la Pologne qui prennent l'aéroport à Singapour, j'ai envie de les tuer. Ah, je peux arrêter de faire la spécialité sur l'Italie parce que bon, je me fais un peu étrier que quand même là. Je trouve que c'est pas pratique le nouveau système des avions. Allô. Oui, quel est le problème? Est-ce que je peux arrêter d'aller bombarder, enfin de faire la spécialité sur l'Italie? Trompette de salon. Moi je dirais que oui. Mais c'est qui m'a demandé d'y aller? Je sais plus, je sais pas là, je sais pas. Oh ouais, la communication ici, les gars. Après, il a enlevé ses bateaux des ports, donc vaut mieux éviter. Il a mis... Ouais, non, vaut mieux les enlever. Comment on fait pour désassigner une... Darkfish, c'est toi qui m'avais demandé ou pas? Non, c'est pas l'Indien. De quoi? Qui c'est qui m'a demandé de faire de la cape au-dessus de l'Italie? Ah bah c'est pas moi. J'ai un foot d'Italie. L'américain, tu te fais choper 40 convois ici, là. Alors, en fait, on n'est pas dans les alliés, du coup... Ah bah, tu peux l'inviter dans la faction. Enfin, du moins, t'as la possibilité. Je t'ai demandé la faction. Ok, c'est bon. Je disais, là, il y a la faute qui encule tout, 40 convois qui viennent de partir. Ah, c'est quand même plus pratique. Et ils ont chopé, bah tu l'as chopé. Un CV en moins. Je suis toujours plus dans la SW, hein. Ouais, c'est pas la même musique. Ouais. Main d'œuvre bon marché. Peut-être arrêter d'importer de là. C'est même pas le bon discours normalement. On a coulé un chip carrière. Okay. Ben joli. Ah, c'est là. Ouais, mais c'est une pas mieux. Ensuite, je sais pas.
Est-ce qu'on fait comme historiquement? J'en sais pas, on verra plus tard. Il n'y a pas moyen que les navires aéroportés là, pas aéroportés, aéronaval, ils soient pas dans la liste des avions qui foutent rien. Aucune idée. Attends, je vais voir ça de plus près. Mais attends, on a plein d'escadrilles d'avions. Mais attends, ils sont pas sur bateau ceux-là. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Ah ouais, ils sont bouffés d'attrition aussi. Bon bah nickel, ok. Bah annule le débarquement, ça sert à rien. Vas-y. Je pensais que la Malaisie serait bouffée rapidement, et bah écoute. Tant qu'il veut pas débarquer en Malaisie, ça, c'est qu'il va probablement le faire depuis, tu vois, depuis l'Indochine. Les gars, pouvez me donner la souveraineté navale ici, s'il vous plaît, pour que je débarque derrière eux. Non, je suis occupé avec plein de monde là. Attends. Vas-y, marque-le-moi sur la map, s'il te plaît. Ici. Okay. C'est pour le débarquement de singe pour prendre le port derrière là. Il prend le port et c'est la win. D'ailleurs, vu que ça tient la Singapour là. Oui, y a aucun problème. Ok, moi je vais annuler mon débarquement. Darfish, dédive chez moi, virelet. Virelet de la frontière. Et tu les mets sur le pays, les ports, les machins, trucs comme ça. Tu fais l'ordre automatique là. T'es sûr? Oui, bien sûr. C'est dommage, c'est des troupes de qualité. Ouais, qui me prennent mon ravitaillement. Et on est beaucoup trop là-haut. Là, tu mets aussi, ça, c'est autre chose. Des grosses divisions comme ça, hein, c'est que. Bah c'est un peu du gâchis, ouais, de faire des défenses de port avec ça, hein. Non, mais c'est temporaire, hein. C'est bon, c'est pris. Après, je pensais... en contre-offensive, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour niquer le Japon? Bah, moi, je comptais débarquer au Vietnam, là. Ouais, moi, je pensais plus sur la côte est de la Chine. À dire vrai, les gars, si vous m'enlevez la frontière avec le Japon, moi j'ai pas mal de divs, hein, remarquez-le, qui seraient offensives plutôt que défensives. Hein. Churchill MK1. Est-ce que si je monte à ton infra là, c'est bon? C'est utile ça, non? Alors, monte pas garder trop... tes divs sur le port en fait. Ouais, je m'en fous de les perdre, je veux juste te tuer en fait. Donc et tu fais le chemin de fer ou pas depuis Delhi? J'avais que deux divs. Ok, nickel, merci. Et comment il a fait pour débarquer? On a une supériorité totale. Ah, ok. Allez, c'est sympa là ce qui se passe là, en tout cas en Malaisie. Là. Enfin, à Singapour. Ah bah heureusement que Bender est là parce que moi tout seul. Oui, c'est dur à gérer, hein. Franchement. Voilà, il va récupérer le port. Regardez, c'est pas grave ça. C'est franchement pas grave. C'est des visions de singe malheureusement, ce qui moi donc. Plutôt bien visé juste au nord dans la région des Mariannes, parce que visiblement ils voulaient prendre. Donc là, Kiri continue. Non, t'inquiète, pauvre man. Regarde, c'est des opérations qui marchent bien. Eagle, mais ça marche. Ça se plaint que l'anglais ira le trou. Oui, bah je les emmerde. Hop là, c'est pour toi ça, Hoffman. C'est quoi le mieux, l'interception ou l'aspiration? L'Ethiopie nous invite à signer un pacte de non-agression. Ça dépend dans quelle optique on est, au fait. Si on est dans une optique d'offensive, c'est comme son nom l'indique. Et si on est dans une optique défensive, plutôt interception. On perd des convois, L'Ethiopie ne fait plus partie des alliés. Oh. Ouais, ils font leur propre. Ouais, ils ont dû la faire capituler, je pense, non? Non. L'Ethiopie. Ah non. Il a fait l'Union Afrique. C'est ça, il a fait son focus, il change de faction. Il a fait ses focus, ok. Ce gros connard. Ouais. Mais on est contre l'Axe, là. Il en a eu des ventes, là, le chinois, le japonais. Nous sommes en guerre. Oh. Mais pourquoi je suis toujours pas en guerre contre le Jap, moi? C'est juste qu'on s'occupe du Jap. Entrer dans la guerre contre l'Ethiopie. Quoi? Non, contre le japonais, pas contre l'Ethiopie. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
On a coulé 8 sous-marins, c'est pas dégueu. Putain, c'est terrible la logistique ici, hein. Tu mets du bomber ici. Bah, c'est pas la bonne idée. Ça va être chiant, ça. Enfin bon, on a l'industrie, enfin j'espère. C'est bien ça. Ouais, faut... C'est dur, ça. Niveau aviation, comment? Pourquoi il veut pas? Arrêtez de push à Singapour, hein, là, c'est pas passé. Oui, c'est pas passé. Hop, c'est quelle armée? C'est celle-là, vite, on refait un lourd repli. Là, 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 boum. Ce jeu ne marche pas. Bon, j'ai quand même tué 300 000 hommes. 300 000? Oh, nice. Yes, ça c'est bien. Ah oui, faites l'anglais, tu voulais des casses? Quand j'en aurais besoin en Europe. Je les envoie, comme ça ils vont s'entraîner. Je t'envoie en tout cas les convois là pour que je... Bon, j'ai peur qu'en Malaisie britannique ça va craquer, non? On est d'accord? Non. 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 En fait, c'est 7 escadrilles de casses. Ce qui bute ma logistique, c'est... C'est que les convois passent pas. C'est les sous-marins ici qui ont plus ma logistique. Bon, attends, est-ce que j'ai... Normalement, j'ai mis des plus petits sous-marins ici. Ah, par contre, il y a Galpin qui soutient l'axe et ça, c'est un vrai scandale. Bon, on a perdu deux convois, on leur a pété plus. Ouais, j'ai mis de l'escorte. Voilà. T'as plus d'escorte? Non, j'ai mis de l'escorte. Là où on perd beaucoup de... Là où la Malaisie perd. Ça m'a fait peur parce que j'en ai produit en masse d'escorte. Non, pour l'instant, ça va aller. Hein. Pas besoin d'importer autant, ouais. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on va faire le débarquement, mais... Pas besoin de stocker autant. Bah dans les îles des Mariannes, à mon avis, ils ambitionnent... Les chasseurs embarqués, on en produit beaucoup trop. L'île Agathe-Nord. Enfin bon. L'anglais accepte le... Normalement, t'as le truc qui est parti, là, voilà. Non, biz. En vrai, mieux le Japon pour. On va jamais s'en sortir. En vrai, si on essaye de prendre la Chine et tout, le mieux serait de prendre sa capitale directement, puis de prendre toute l'île continent. Toute l'île, quoi. Parce qu'il y a un putain de manteau. C'est vrai que c'est plus intéressant de faire la guerre dans le Pacifique plutôt qu'en Asie. Ouais. Parce que pour pousser tout ça, vas-y, quoi. Il y a du chemin. Vous êtes sûr que vous avez des escortes de convoi ici? Ouais, 100%. Là, dans cette zone-là, c'est clair, 100% pour nous, là. Mais c'est pas possible. Je te jure, on les domine, hein. Ils dominent pas, ils sont juste planqués. Ils sont là, d'ailleurs, ils sont là. Hein. Faut pas hésiter à part strike, ici. Okay. D'ailleurs, t'as vu tous les navires qu'on a en réserve? Ah oui, bah c'est fait exprès, hein. Comme ça, on est tranquille, c'est rien de tout déployer, tu vois. Ouais, mais enfin, on a quand même du porte-avions... Ouais, mais on n'en aura pas besoin de plus. Bah si, les gars, faites-lui aussi du... Enfin, je veux dire, il y a plein d'endroits, Micronésie, etc. Allez lui raider, quoi. Allez lui raider des trucs. Il doit approvisionner tout ça. Il y a du fusil, il y a de la ressource, il y a tout qui passe dans les convois. Faut lui casser ça, petit à petit. Hein. Si quelqu'un peut construire un radar dans le coin là. Je peux, je m'en occupe. Moi j'ai pas trop les techs, un radar. Hein, En fait, je peux pas parce qu'il y a aucune tech radar là-bas. Ouais, c'est ça. Ça viendra plus tard, hein, les radars. Bah oui, mais non, il le faut maintenant. Là. Tu l'as fait là, ton radar, tu le fais là. Ouais, les DD1, je peux les virer en vrai. Attends, je suis en quoi. Ils sont tout pourris. Hein. Non, mais pourquoi tu veux virer des trucs quoi alors que t'es plein de pétrole? Les DD1, tu les mets en Micronésie à faire du convoi raiding et puis ça passe quoi. Est-ce que tu veux virer des trucs qui peuvent être utiles? Ou passe l'embouilleur de mine si tu veux. Mais il y a toujours des trucs à faire dans le jeu.
Là, c'est joli. Ouais, le Mexique dans les Alliés, c'est tout quoi ça. Oui. Je crois pas qu'il y ait une déclaration de guerre, mais ils ont envoyé des troupes et tout dans le jeu. En tout cas, ils le passent tout le temps. Quand tu fais une partie histo, ils passent tout le temps. Ok. T'es là, ça m'en fout. Oui, pourquoi? Il y a ton pote Hades qui dit qu'il est parti de chez toi parce qu'il t'aime pas. Il ira en enfer. Perso, moi, je le comprends. Bon, après, il y a plus grand chose à voir de mon côté. Galpin qui parle de son slip. J'espère que tu portes ton slip Napoléon, Galpin. Ah, la Malaisie, tu pars toujours autant de convois ou ça s'est calmé? Les convois avant, ça va. Le problème, c'est que je suis toujours en rouge au niveau de la route commerciale ici. Après, vu que j'ai motorisé, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire banco, on est bon. Que bonne gueule. Mais le Canadien, faut me demander hein, si tu veux des aéroports chez moi. Bah, il me faut surtout un radar plutôt que des aéroports. Moi. Ouais, mais je te vois, en fait, là où je déploie mes trucs, tu y es en fait. Donc. Essaye de construire des aéroports, ouais. Ouais, mais j'en fais un petit peu. Mais genre, si j'avais vu avant, tu vois, je l'aurais fait avant. Bon, après, la malaiserie passera pas. Avec ce qu'il a tout de suite, non. Après, bon, faut voir les débarquements, les trucs. Quoi. Bah, même en termes de débarquement, genre j'ai des trucs de réserve. Et si je faisais un mandala? Un mandalorien? Non, un mandala. À faire du dessin. L'anglais, il faudrait reprendre ça là. Ouais, putain, vous êtes marrant, les gars, deux secondes. Mettre un aéroport là et un radar. Oui, non, mais ça c'est en cours. Merci. C'est des et marines, tu peux pas construire maintenant, toi, le Canadien? Bah, j'ai des usines militaires à mettre sur les avions, quoi. Après, ah, mais ils ont pris le d'accord, non, mais t'es bientôt à full capacité du pays, j'imagine. Non. Pas encore, je okay. Passe. Pourquoi? Est-ce que je peux construire des radars, moi? Non, je peux pas. Hein. C'est de la merde, c'est juste en tout cas là. D'affiche. Ah putain. Oh merde. On aura 5. Ne quittez pas! J'allais dire que bon, on est plus du tout histo de toute manière en Asie là, que on fait un peu comme on veut. Oui, c'est juste pour la déclaration de guerre que c'est histo. Après, on fait ce qu'on veut. Ok. Putain de ces petites. Bah, le Japon qui débarque au Sri Lanka, c'est pas extrêmement histo. Ah, ces petites trêves du. De bon les gars, à propos de ce débarquement. On galère en Malaisie. Est-ce qu'il y a, tu t'es fait débarquer Arkhangelsk? Non. Non, c'est Staline, il crie un débarquement! Ouvrez un front, Cécile! Bande de traîtres! Donc, c'est fou comment la mort n'avance pas en Russie là. Bah, là, il y a eu l'hiver aussi, tu vois. Ouais, mais même au début, normalement, il a le truc Barbarossa en plus. Donc, un bonus de 15% en attaque. Donc, si. Ouais, mais peut-être qu'il y a de la cave dans nos divisions de tanks, mais. Elle tient! Bah, largement, ouais. Non, bah. Normalement, c'est au début que ça pousse, quoi. Leur tank bouffe les nôtres, c'est sûr. Mais je pense que c'est notre info. On a de l'infanterie qui a beaucoup de piercing et pas mal de hard attack, du coup. Après, on a 5000 mecs sur le terrain aussi. Hein. Honnêtement, leur erreur, c'est qu'ils font des concentrations de tanks. Ouais, ils mettent les. Ils mettent toutes leurs tanks sur une seule case et ils. Ah ouais. Ah ouais, non mais là, ça bouffe la logique. Ah, ils ont perdu beaucoup de mecs. En vrai, c'est con à dire, mais la plupart des cases où on a reculé, c'est parce qu'on s'est fait renforce mime. Je vais mettre l'aviation un peu plus au centre. Ah, j'ai même pas été des 5, je sais même pas ce que ça m'a marqué que j'avais pas les bons. Là, c'est écrit corrompu. Est-ce que tu as vidé ton cache en lançant ton jeu? Non. Il y a Tess qui vient de débarquer dans mon live en disant je rectifie un truc, je n'ai jamais dit que je t'aimais pas. Bon. C'est vrai, j'ai jamais dit, mais moi je le dis. J'ai le courage de mes mots. Ah, pour le roi des enfers, il aime bien rétablir la vérité. Fais attention de pas passer de pacte avec lui, il va te mettre. Il est en train de bombarder au niveau de Moscou. Là. Mais oui, je t'avais dit, il bombarde avec ses strats, il bombarde tout le centre. Après, normalement, il fait ça, mais il se fait intercepter sur le chemin par tout l'entière qu'on a. Hein. En vrai, c'est vrai que à chaque fois que j'ai regardé, il n'avait pas l'air de faire tant de dégâts que ça à l'industrie, mais quand tu regardes les fils de construction aussi, ça se ressent quand même un peu à force. Ah bah, ça c'est sûr. On va bien avec les D5. Après, je vous invite. Je sais pas. Après, même pas D5, là. Je vous invite à regarder le côté d'Arfish, hein, ce sera plus intéressant. Je pense qu'il va falloir faire un Riost. Et d'ailleurs, d'Arfish. On va voir si on a une Red D5 et si on a encore un Riost.
D'ailleurs, Darfish, regarde en MP, j'aurais besoin d'une réponse. J'ai pas le temps d'écrire. Les MP ? Ouais, ouais. Regarde le MP que je t'ai envoyé, j'ai besoin d'une réponse. Ah oui, oui, j'ai vu, ouais, ouais, la réponse c'est bien sûr oui si tu amènes tes subordonnés avec toi. Ok, 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 merci. Pas le mieux à faire, moi je pense, enfin non, mais... Aller voir dans les autres channels pour leur dire qu'on rioste. Ouais, je vais leur dire. Retour au menu. Combien de... Ah non, bah non, j'ai pas d'infos. C'est qui le premier ? Union soviétique. The fuck ? Bah, je sais pas, c'est un genre différent de toute façon. T'as le Canada, tu te fais dépasser par Vichy. T'es bolos. Bah, pour l'instant, les Américains ne combattent pas encore. Je suis où, moi, là-dedans ? 42e, ici. Ah oui, on est des 5 sur le tableau de sortie. Il me dit que je suis dans la sphère de post-réalité japonaise, en termes de faction. Ah. Ah, c'est pas du tout un jeu buggé. Hein. Non mais c'est propre d'habitude, arrête. Non, c'est vrai que d'habitude ça fait pas ça. D'habitude à 23h, Mako elle plante. Bon. Ah, de R5 déjà, c'est cool. Hein. Bam bam bam. Il y a un mot de passe. Contrôle C, plein de fois, contrôle C. Voilà. Hop, je reviens me chercher à boire. Pour être sûr que ça marche là. Ouais, l'américain. Il est parti boire un coup, manger un coup, je sais plus. Ouais, je suis de... Je suis l'américain numéro 2. Du coup, américain numéro 2. Je pense que je vais maintenir mon dispositif du coup en Malaisie, mais je vais recommit toutes mes forces restantes en Europe. Il veut venir. Quoi faire ? Ouais, pourquoi faire ? Bah après je suis pas sûr qu'on ait vraiment de pays Si moi j'ai besoin On est en 42, t'sais, y'a rien à build, bof, je vois pas trop. Moi j'ai besoin d'un cop. Puis y'a peut-être Un cop sur l'Angleterre. Ah ouais, ça serait peut-être pas... Je suis pas sûr que le niveau de Galpin te permette de faire quoi que ce soit, mais ok. Après ça, tu peux le mettre sur les rages commissariats de Belgique, de Pays-Bas. Non mais c'est ça, ça sert à rien de faire un rage commissariat. Tu veux jouer Vichy, Galpin ? Non. Vichy ? Vichy, sérieusement. Ah, ouais, moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est de faire du côté de l'Asie, là, c'est de faire croire aux Japonais qu'on essaye de pousser du côté de l'Inde. Et nous, on prépare un débarquement au Japon, tu vois. Et pourquoi pas en Chine ? Lui dépasser la Chine. Mais pourquoi ? Oh, non, chaud, j'en ai une meilleure. Et pourquoi pas en Normandie ? En Normandie ? Eh, c'est original ça ! Ils seront persuadés que ça arrivera du côté de Calais. Ils s'y attendront jamais. Ouais, c'est le main contrôleur pour un pays. Faut être le premier à cliquer dessus ou le premier à avoir validé le pays. Normalement, vous pouvez vous les refiler. Hein. Je sais pas comment on fait, alors je le préfère. Bah, tu cliques sur. T'as juste à cliquer sur le drapeau à côté de l'IS. En vrai, au pire, je me barre en Suède comme ça. Ouais, tu regardes la guerre. Je passe spectateur. Et hop, l'état-major, la moitié de l'état-major russe a décidé de s'enfuir. il a récupéré son ministre de l'économie. C'est déjà le général russe qui est passé aux Allemands, c'est Blaski. On l'utilise en ce moment. Non. Ah si putain, il y a une division, non fou. Tu l'avais filé de dire, ouais. Oui, c'est lui, le général transsu. Les gars, s'il vous plaît. Les gens, s'il vous plaît, on a un problème. Je vous promets que ce n'est pas un complot, mais les deux japonais, on n'arrive pas à venir dans la game. Mais c'est pas un problème, ça, on vous a kick. On vous a ban, c'est pour ça. Ah. Vous pouvez nous ban, on est en train de perdre. La guerre a pas commencé. Écoute, on va lancer, et on vous allez essayer de faire un outjoin, je pense. Mais sinon, ils ont juste peut-être bon, sinon relancer votre jeu. En termes de. Alors... Ouais, je vais essayer de relancer le jeu. Ouais. Relancer et éclairer le cache. Si vous voulez, on vous amène à la nouvelle bataille, à la nouvelle Verdun qui se situe près de Brest-Litovsk. Mais moi, j'ai déjà relancé mon jeu en ayant clear le cache, je suis au même point. Tu sais que historiquement, Brest-Litovsk, c'était une bataille très apparente. Bah là, Brest-Litovsk est tombé rapidement. C'est les. je vais commencer en France. Les suburbs en France. C'est les. Par contre, la banlieue qui résiste. Par contre, je tiens à dire que les alliés qui micronos grand mort dans le Pacifique, c'est pas très gentil.
Est-ce que vous avez mis galère, un allemand ou pas? Non, l'anglais, il gueule partout. L'anglais, il gueule partout, hein, ah, c'est si, l'enfer. Si vous n'arrivez pas à rejoindre parce que le, vous n'avez pas mis le bon mot de passe, effectivement, c'est une bonne raison. Ah, attends, mais, y a, mais t'as pas, mais t'as ah, pas bah, de. Ah, oui, ça marche mieux tout d'un coup. C'est pour oui, ça qu'il n'y a pas de. D'accord. L'anglais, il gueule partout parce qu'en fait, le Japon lui déclare la guerre et il n'y a personne dans la guerre, surtout. Ouais, c'est ça le problème. Non, moi, non, mais... Faut que tu m'envoies une invitation. En fait, tous les IA ont rejoint automatiquement, mais pas les joueurs en Dominion. Bah non, mais on n'a pas eu de message. Ouais, ouais, non, mais je vous crois, j'imagine que c'est bugué, mais tous les IA ont pu suivre. Sauf ceux qui étaient en joueur. Parce que là, quand j'ai mis la pause tout à l'heure, c'est que je le spammais clic droit join. Tu sais, moi, je demandais à joindre et il avait pas un message. Non, ouais. Mais d'ailleurs, les alliés, du coup, juste pour savoir un truc, vous comptez vous occuper du Japon avant ou après l'Allemagne? Mais le Japon est là, tu veux pas qu'on te raconte nos plans là? Vas-y, on se rend bien, on n'entend rien. Il y a les deux japonais en plus. En même temps. En vrai, les deux ont rien à voir. Hein. En vrai, moi, je propose un truc pour japonais. Franchement. Cher ami japonais, qu'est-ce que l'Axe vous a apporté, hein? Alors, l'Axe, moi je leur ai pas parlé une seule fois. Moi. Voilà, alors. Attends. Alors, moi j'ai un seul truc à dire. Qu'on allait parler avec, avec l'Axe au-dessus, qu'on a dit qu'on aurait peut-être un moyen si on recevait du support matériel. Ils nous ont littéralement balancé qu'en vrai, si dans le monde il reste plus que l'Axe, ce serait pas si mal non plus. Du coup. Oh là là. Ah ouais. Oh, voilà. Diplôme. Et bah écoute, le Japon, si tu es prêt à faire des concessions mineures, style l'Indochine et la Chine. Mineur. Il a dit Japon, la Chine, c'est ligne rouge, la Chine, c'est ligne rouge. Remport Arthur aux Russes. Non, ça à la rigueur, on s'en fout, on vous le laisse. Le partage de Sakhaline. Non, si vous voulez, on leur donne. On leur donne Sakhaline. On leur donne le Nord aussi, s'il faut. Ah oui, donc alors, ah oui, tiens, au fait, les Japonais, tant que vous êtes là, j'ai pas pensé à le mettre dans les règles à l'écrit, mais bon, honnêtement, je pense pas que ça arrive. Si vous avez pas le droit de backstab les Soviétiques, à moins d'avoir battu l'Inde. Ah bah. Non, mais attends. Non, mais leur donne pas des idées comme ça. Darfish. Oui. On est en train de se faire micro la gueule par tous les pays alliés. Oui. On est en train de se prendre des bombardements partout. Ciel ta gueule, on est en train de gérer déjà de 1, tu fermes ta gueule. Et deuxièmement, moi je prévois. On m'a dit, il faut prévoir, faut préciser, parce que sinon après les gens ils attaquent la Bulgarie. Non, alors, vous avez raison. Je précise. Pour répondre à la question, la Russie, nous, pas de la game. On est des partenaires commerciaux de toute façon. Moi j'achète chez vous. Des milliers de Russes. Et en plus, oui, on commerce. Des milliers de Russes meurent tous les jours pour défendre la mère patrie. Oh, putain. C'est pas de chance, les gars, c'est lassé, il va falloir recommencer. Oh là c'est là. Non, c'est juste qu'il y a des débiles qui mettent pas leur cash, c'est tout. Non, c'est... je pense que c'est lassé, elle est con. Oh les gars, c'est vraiment. Et comment ça se fait, ça allait bien tout à l'heure. Il y a eu des mages. Là, il y a trop de mages. Ouais, mais il y a des mages, c'est vrai. On est assez nombreux, il y a eu plusieurs mages depuis le début de la partie, tout court. Je pense que ça. Non, il me semble qu'il y en a eu deux. Non, il y a eu deux. Non, il y a eu deux. Alors, c'est que j'en. Ouais, il me semble. Hein. Il me semble qu'il y a eu d'autres. Il y en a eu. Il y a eu un petit hot fix et un patch. Ouais, il me semble. Et après, en vrai, vu le nombre qu'on est, etc., ça me surprend pas. Ah, franchement, les gars, en vrai. Non, mais après, on est au 7 avril, t'as une 7 game au 1er avril, au pire. Ah ouais, on pourrait essayer de. Ou alors, on dit victoire des alliés. Ah oui, j'aime bien ça. En vrai. En vrai, moi je propose un truc, on dit victoire des alliés et de la sphère de coprospérité et défaite de l'Axe. Comme interne alors. C'est vrai que l'Axe en avril 42, ils ont même pas pris Kiev. Ouais, apparemment, le comme interne Moscou se prend des bombes apparemment. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. En vrai, le gouvernement central a décidé que les bombes faisaient partie du climat russe. Alors. on a dit à tout le monde de pas se parapluie en la gamme est foutue. Hein. On va essayer de reprendre une save La save du premier, ouais. Mmh, okay. Ah, la photo de profil de Aigle 2, elle est magnifique. Je suis amoureux. En tout cas... Hop, c'est bon, je les ai prévenus. Ah oui, c'est bon. Ah oui, je pensais que toi sur Steam. Et les gars, moi je dis ça, je dis rien. Mais les forces... Le chef des forces aériennes allemandes a dit, je cite, « Je fais du bowling avec l'industrie russe. » Franchement, oui. Honnêtement, on a genre peut-être 8 industries qui sont bloquées, mais c'est tout. Oh, plus que ça en vrai. J'ai regardé, c'est la civique qui prend. Mec, oui, mais justement, on s'en fout.
Non, on s'en fout pas, parce que si on a plus de civils, on pourra pas réparer la militaire. Viens dans le tunnel d'en bas. Et faut que tout le monde clear le cache. On a 320 civs, on est tranquille. Il faudrait que tout le monde clear son cache. Je sais plus comment on fait ça. Ouais, bon, écoute. Tu vas dans le jeu. Viens en bas. Oh, faut que je relance le jeu, c'est un enfer pour le live. Alors, game setting, je crois que c'est là. Ah oui, clear, c'est clear user directory, c'est ça? Ouais. Ça, de quoi? Option? Tiens, tu peux le faire à la main aussi. Hein. Oh non, je vais pas fouiller dans les fichiers de jeu, à l'enfer. Non, non, c'est pas dans les fichiers de jeu, c'est dans tes documents. Tu vas dans Common, National Focus, tu supprimes Germany.txt et puis c'est bon. Bon. Non, mais... Ça va... Pour la durée qu'elle aura eu. Par contre, ma save, enfin, elle est aussi 6 avril, hein. Elle est pas au 1er avril. Ah ouais? Oh merde, ça, ouais, je sais pas pourquoi. T'as pas d'autosave? Si, si, j'ai une autosave, mais elle est au 6 avril. Et t'as pas genre un hold autosave? Non, je pense pas, hein. Sinon il l'aura vu. Ah, mais non, en fait, parce que c'est quand tu saves dans le cloud. Je sauvegarde toutes les semaines, c'est pour ça. Non, il faut que tu saves dans le cloud et que tu. Et comme ça te donne accès aux trois dernières autosaves. Quand tu fais comme ça. Ma nièce vient en dessous. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai entendu des trucs bizarres. Parce que j'ai pas des autosaves mensuels, j'ai des autosaves hebdomadaires. Je sais pas où est-ce qu'on vide les caches, moi. Bon, tant pis. Ma nièce! Non, dans le launcher, juste tu descends en bas. Ah oui, faut que je relance tout le jeu. Oh, ça m'emmerde. Ouais, mais ça t'emmerde, mec, vide ton cache et pose pas de questions. Le pire, les gars, vous savez, je pose pas de questions, je fais une affirmation, ça m'emmerde. En vrai, ouais, donne ton... pas si vous voulez vider votre cache, les gars. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, donne ton cache, ouais. Vas-y, là. Non, mais... Ça te dérange gars, pas si pire, je te. Vous savez, c'est pas grave si on doit recommencer la game. Non, mais là, dit-il après avoir perdu. On en recommencera une. On a pas du tout perdu, c'est juste que pour le coup, j'étais pas là la deuxième session. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à faire taire les mauvaises langues. Les parachutistes ayant atterri dans les pays baltes étaient un move totalement calculé. Nous avons d'ailleurs tué 500 Allemands grâce à cette manœuvre. 500 000 Allemands. Hein, quoi les gars, on en a tué quasiment 700 000 actuellement des Allemands. Hein. Connexion time out. Voilà, bon, normalement c'est fait. J'ai vidé mon cache à skip. Pourquoi j'ai eu un connexion time out? Je sais pas si ça a bien marché, mais bon. Ma nièce vient en bas. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa nièce en bas? En revanche, si vous avez de l'aviation en rab, ouais, faut peut-être nous l'envoyer. Non, moi j'ai des fusils peut-être, si ça intéresse. Le Landlise, il faut le réclamer, hein. Ça c'est pas automatiquement. Hein. Eh bien, on arrive. Et on va lâcher la moitié de nos terres à l'allemand juste pour l'aider si ça continue. Hein. Non, mais je vais prendre un petit détour. D'ailleurs, il va falloir interdire dans des zones maritimes histoire d'être sûr que ça passe où il faut. C'est-à-dire par le nord. Comme historiquement. Parce que, en fait, au niveau de l'aviation, ça commence à aller. Ça commence à aller, mais on n'a pas assez d'avions pour s'occuper de toutes les zones. Ouais, en vrai, cher camarade, d'ailleurs, je vais essayer de designer un avion lourd pour intercepter les strates. Lourd. Bah, après, nos avions, je sais pas pourquoi ils seraient pas bien pour intercepter les strates. Hein. La portée. Et la vitesse. Mais on a des moyens. Tu peux pas faire un lourd en. Oui, mais en fait, c'est à partir des du. Bombes, en fait, non, des quand je dis. Lourd, on en a mis, mais visiblement, ça suffit pas. Mais regarde les trucs, tu vas voir que. Ça pas. Détruit pas mal normalement. Non, mais on en a mis. Hein. Avant le début de la guerre, on a fait un grand projet. Et de t'en es où ta tech entière là? Je sais pas, c'est pas moi qui gère. Parce que ça aide bien aussi, hein. Je sais oui, pas, c'est pas moi qui gère. C'est le ministre des armées qui s'en occupe, d'accord? Et hein oui, c'est... Moi, je suis secrétaire général, hein, d'accord? Je tiens à signaler qu'avant, j'étais juste général. Je suis arrivé à la il m'a fait alors, mon cher ministre des armées et de la diplomatie. Je sais plus de quoi c'est. Non, mais il est ministre des armées, c'est-à-dire qu'il a rien sur lui, quoi, c'est tout. Hein. Il est désarmé. Non, mais... Ah non, mais sans déconner, hein, genre, je passais de général à genre, un mec du gouvernement. C'est inquiétant. Il y a moyen qu'il nous manque une tech d'entière. Mais dans tous les cas, on n'avait pas assez d'avions. Il faudrait aussi propager la dispersion. Mais de toute façon. Mais vous avez pas besoin de Spitfire parce que genre je dois en avoir genre des. Non, 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 non. On a des avions qui sont moins chers que les tiens.
Mais on les garde. Non mais t'as pas compris. Les envoie. Non mais là ils les envoient en landlise. Ils sont déjà construits, tu vois. Ah mais dans ce cas-là, on veut bien. Et puis je tiens à signaler que franchement, des Spitfire, c'est une autre dieuse copie des lacs 3 fierté nationale russe. Ouais. Ah ouais. Bah je sais pas, il en boit ton truc. Non, non, bien sûr que non. Non, nous ils sont costauds. Alors, les lacs 3 est en bois. Ils sont en stalinium. Ah, voilà. C'est un arbre spécial. Le mien a été sanctifié par Churchill lui-même. Il est venu, il a tapé son cigare sur le moteur et hop là. Churchill étant un odieux capitaliste impérialiste. Churchill, petite bite. Hein, voilà. Il ne peut rien face à la moustache de Staline. Allez, le moment fatidique, on va savoir si. Je sais pas à quel point il était le capitaliste, il m'a donné des tanks contre l'Afrique du Sud. Est-ce que t'as fait le poirier en stream? Il paraît que ça aide contre les D5. Ah ouais, c'est le poirier, ça aide pour les D5. Ouais, vas-y, ouais. Fais un poirier. Je vais regarder ça. Une. Comme ça, on a bien le temps de prier. Vous aussi chez vous, derrière votre écran, priez. Putain, mais c'est Lublin en plus, c'est pas Brest. Mais t'étais en train de m'attaquer le chat? Je l'avais même pas vu. Ah oui, donc la D5, elle était énervée quand même, la D5. C'est quoi ça? Ah, c'est un avion. Oh, c'est mort. Victoire des alliés. Yeah. Oui, yes. Il y a un statu quo. C'est la guerre de tranchées sur le front russe. Hein. C'est bon, c'est mort, les gars. Ouais, finito. Bon, mes amis, je crois que nous sommes ici tous rassemblés pour vous dire que c'est compliqué de continuer. Ah oui, c'est... Bon, victoire des alliés. J'annonce, j'ai des infos quant à ça. C'est la faute de Darkish qui a fait des élites. Tu crois que c'est à cause des élites? Les gars, ne vous inquiétez pas, j'ai créé les résultats dans GPO. Après une enquête très sérieuse, le ministère de la Propagande de l'Axe a déduit que c'était toi qui avais fait tromper à part. Hey, vous savez quoi? Si vous voulez, moi je suis prêt, j'ai encore la save de la fin de première, de deuxième session, sans edit. On la reprend. Non, on perd 6 mois. Ouais, mais c'est pas la question de perdre 6 mois, c'est la question que du coup, toutes les offensives, ils savent où ça va tomber, tu vois. Puis même Ceylan, on va pas le reprendre, je pense, avec le Japon. Je pense que. Sont surprise sur l'Estonie aussi. En vrai, il y a peut-être un. D'ailleurs, il y a peut-être un dernier truc qui peut se tenter. Surprise qui était en vrai totalement calculé, hein. C'était un piège tendu. La game est morte, c'est le jeu qui est comme ça, c'est pas la. Ça y va. Arrêtez, monsieur Macron, il est mort. C'est de la déconfiture. C'est bizarre comme ça qu'on se mette à avoir des D5. C'était juste rien, j'aurais compris, mais sûrement des gens qui rejoignent et qui n'ont pas clair les caches. Hein. Ouais, on est nombreux. Non, ça joue pas le cache. C'est une légende. Les gars, je vous le dis, j'ai mis les résultats du coup de la game dans GPO. Vous voulez aller voir? En tout cas, je remercie les Allemands pour cette guerre de tranchées sur le front ouest. Victoire. On a joué un an, nous. C'était vraiment drôle, hein. J'espère. Moi, j'ai envoyé des divs aux Philippines et en Inde. Voilà, c'était super sympa. J'espère que pour la prochaine game, on va mettre des garnisons sur ses portes, du coup. La prochaine game sur Kaiser Rush, parce qu'il a été mis à jour. Chers Allemands, je pense que vous l'aurez remarqué, en Russie, nous avons dit au peuple que les bombes qui tombent du ciel faisaient partie du climat. Ouais. Donc, c'est le réchauffement climatique. C'est quoi ces nuages de métal? C'est sûr que là ça chauffe. Hein. Hop, voilà, je vous mets là en direct les résultats de la GPO officielle. Par contre, les quoi? C'est les Spitfire qu'il y a en Russie aussi? Non, pas encore. C'est épique. Si, il y a Spitfire, je pourrais le Ça en fait, c'est un avion qu'on a produit en licence pendant un moment avant de le redesigner pour qu'il soit bien russe et plus performant. Alors, par contre, je tiens à dire un truc. Normalement, Isto, l'aviation japonaise est censée être meilleure que les alliés au début de la guerre. Pourtant, là, votre aviation était meilleure que la nôtre. C'est pas Isto. Non mais en vrai, ce qui est vraiment étrange, ça m'a surpris parce que quand t'as la fin de partie, t'as un petit classement et t'es celui avec le Japon est celui qui a le plus haut score d'aviation. C'est normal, c'est le nombre de zones couvertes. C'est le nombre de zones couvertes, ça a changé. Ouais, c'est de la merde. C'est de la merde, cherchez pas les scores. Mais ça donne une petite indication en fait. Ouais, mais juste, j'ai aussi un truc à dire, c'est que genre là avec le dernier patch, ils ont full nerf l'agilité. En fait, genre. Maintenant, avoir beaucoup d'agilité sur un chasseur, ça fait presque plus rien. Mais le problème, c'est que les Japonais, tout leur but, c'est quoi? C'est d'avoir des avions agiles. Du coup, déjà, de base, je commence
On commence avec un debuff, c'est horrible. Ouais. Non mais le seul truc qui sort dans le jeu maintenant avec les avions, c'est le moteur. Si t'as pas le moteur, ouais. Ça sert à rien. Ouais, non, mais c'est horrible. Un biplan avec turbojet, il gagnera contre un avion secondaire mondial. Ouais, c'est pour ça que ça me faisait rire, tout ce drama qu'on a eu cette semaine, parce que oh gna gna, si les Axes, ils ont vu que le Canada, il avait les avions 44. Pitié, ne relancez pas le drama. En vrai, Darvish, c'est plus ça, plus tout le reste, en fait. Oui, mais Ozef... Parce que, après, je suis d'accord avec... Je suis d'accord, c'est une gamme histo, etc. Mais en fait... C'est juste le flanc que t'as fait pour des erreurs qui... Alors, certes, on a envahi la Finlande trop tôt, on s'est foiré Ouais, mais ça, la Bulgarie... Je vous ai pas fait un flanc pour la Finlande. Quoi ? C'est juste que les mecs, la guerre d'hiver en juin... T'es vraiment venu nous... Mais on s'est foiré de date. Moi, j'ai pas regardé, et puis on s'est vraiment foiré. Les mecs, vous l'avez laissé, je vous ai pas fait un flanc. Venez demander. C'est pour la Bulgarie que j'ai fait un flanc. Parce que, pour le coup, la Bulgarie, c'est vraiment... aussi inutile que 20 et qui t'a fait casser la game. Bravo Darvish! Je pense pas que ce soit dû à ça, honnêtement. Oh bah si, l'edit est totalement responsable. Non, ah, John, arrête. On a eu une information sur l'edit. Si l'edit, ça améliore. Ce qui c'est sûr, ça aide pas à la stabilité. Rien ne dit que c'est ça la cause. Ça peut l'être, mais on n'a pas la preuve que c'est spécifiquement ça. En fait, il se passe rien dans les pays qui ont été édités, donc ça aurait dû être foiré dès le départ, quoi. Non, mais en fait, le problème, c'est que ce jeu est tellement bien codé que quand t'as une personne qui est des 5, il embarque des gens avec lui. Ouais, ça c'est vrai. C'est ça. C'est un peu comme le souci de refaire le monde, est-ce que quelqu'un s'est intéressé à autre chose ? Après, en vérité, je vais être honnête, je suis surpris que la game à autant de monde ait duré au moins 2 sessions, parce que... Avec John, quand on a tenté des parties à deux, hein, la première, on a voulu la reprendre une fois, ça. C'était mort direct. Mais c'est vous alors, c'est vous le problème. Ouais, c'est vous parce que moi j'ai fait des trucs. Voilà. C'était avant le début. Non, mais non, le combo c'est John, c'est bon, c'est décidé, c'est la faute du Roumain. Et pour le coup, c'était avant même que. Du coup, pendant qu'on est nombreux et qu'on est là, ça vous dirait pas de faire autre chose de la fin de soirée ? Attendez. La game plantée. Allez, go lol. Ah oui, ça. Les gars, faire une 5v5 sur lol. On refait une game ou pas ? Oula. On va refaire une dans les semaines prochaines. Darvish, okay. Si j'étais toi, j'attendrais la fin du cycle de patch hebdomadaire qui devrait terminer d'ici 2-3 semaines. Et d'attendre le cycle de patch mensuel. On reprend d'ici 2 semaines à peu près. Je tiens à signaler quelque chose parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Avoir 5 millions d'hommes sur le terrain, c'est fun, mais avoir 2 lignes de portrait de général et d'armée, c'est moins. Faut faire des divisions plus grosses. Non, mais elles s'en foutent. Ah, mais tu fais un truc qui est très simple, ça s'appelle le théâtre, tu vois, et ça te permet de pas avoir de lignes. En fait, le problème, c'est que quand j'avais commencé à créer un deuxième théâtre pour nos troupes de garnison, puis la guerre a commencé, et donc en fait, j'ai pas eu le temps entre la micro. Ouais, mais c'est ça, faut prévoir dès l'avance. Bon, de toute façon, cette game continuera pas et quoi que ce soit. Franchement, c'était hyper intéressant. Dommage que ça finisse comme ça. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour tout ça. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine pour le prochain live. Sur quel jeu, je ne sais pas. Mais on verra bien sur quoi on va tomber. Allez. À une prochaine.